et messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 26 février 2016. Ah oui, bah oui, le mec c'est plus l'année. Bonjour et bienvenue sur jeuxvideo.com et plus particulièrement Gaming Live, sa web TV, je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Hein, 15h, donc 3h, midi, 13h, 14h, 15h. À chaque fois, il y a une pub toutes les 40 minutes, ce qui fait 3 pubs, 3 fois pognon, 3 fois pognon multiplié par division. Ça, c'est dans 15 jours, le 8 mars, mais bon, bref, j'apostrophe et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Et mon programme à 15h, c'est Mister MV qui revient sur Street Fighter. À 18h, Allociné Live. Je ne sais pas ce que c'est. Me demandez pas ce que c'est Allociné en live, donc peut-être c'est des mecs d'Allociné qui viennent et qui parlent de films. Ce qu'on fait déjà le mardi avec Big Cardel et Kerr, mais... Attendez, je me renseigne. Attendez, je me renseigne, c'est important. Gaming Live. Bonjour. C'est quoi Allociné Live? Voilà, je demande. Non, parce que bon, ça serait important quand même que la rédaction m'explique ce que c'est, parce que je ne connais pas ce programme. Alors donc, vous avez à 18h Allociné Live. 19h replay, c'est-à-dire qu'aucun caster, tout le monde en gros a posé... un RTT, il n'y aura pas de programme. Et 20h, science friction. Attendez, je demande aussi. Bonjour, c'est quoi science friction? Bonjour, c'est quoi science friction? Voilà, les viewers se posent des questions. Ouais, joli. Bon, bref. Bon, sinon, vous avez un chat à droite du lecteur, mesdames et messieurs. Vous n'hésitez pas à le rejoindre dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, c'est ça, oui, on dit bonjour au chat. Non, mais c'est vendredi, ça va être bien le week-end, ça va faire du bien. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, ça va être très bien le week-end. Donc, le chat à droite du lecteur, on retrouve Théo, Théo368 qui est là, on retrouve Lizzy, on retrouve McFlinfling, Gabi. Ah, Gabi, ça va? Tu viens manger à la maison? Mais pas là. Parce que là, tu vois, je. Bon. Hein? Bonjour à Gamer Scipio, bonjour à Vinarator, bonjour à As de Follower, bonjour à Ignis, bonjour à Sever, bonjour à. Le chat va trop vite, mais vous êtes combien, nom de Dieu? Ah, vous êtes déjà 1000! Ah, bah c'est pour ça! Ah, bah oui, d'accord. Bon, bah voilà. Alan Théo. Oui, non, c'est une blague, hein, ils m'ont compris, les gars. Sinon, sur le www.slicktv.fr, rubrique planning, vous retrouvez notamment les lives du jour. Notamment, vous retrouverez Oro de 15 à 17, de 18 à 21. Il essaiera de tam un truc marin énorme qui ressemble à un tétard. Ça sera le programme. Vous avez tous les liens vers les chaînes directement sur le planning du site clickalexclicktv.fr, rubrique planning. Voilà. Pour m'accompagner aujourd'hui, notamment Musaren, bonjour. Salut. Vous allez bien? Ça va. Oui, parce que j'ai plus de fond musical en fait. Pourquoi j'ai plus de fond musical? D'habitude j'avais un fond musical sur mon intro. C'est quoi cette journée de merde? Moi j'allais me coucher, hein. Je sais pas ce qui se passe. Oui, ça va? Post-jeudi. Ok, ouais, d'accord. Ça va. Post-jeudi, exactement. Bonjour! Salut. Salut Pupute! Salut Alex! Et salut Poupoutre! Bonjour. Voilà, tout le monde est là. Ah, pendant ce temps-là, Gabi s'est encore fait. Théo, pourquoi? Il a dit salut? Qu'est-ce qui se passe? Qui est en charge de la modération aujourd'hui? Pourquoi les gens ils disent bonjour, ils se font Théo? Alors j'ai peut-être pas tous les ingrédients. Il a spamé bonjour. Ah bah oui, oui. Alors là c'est le bot. Le bot à Séville. Auron, on vous retrouve à 15h. Un planning un peu chargé aujourd'hui. On vous retrouve 5h de live aujourd'hui. Si je sais compter. C'est ça, 15h. 15-17. Tu te prépares bientôt, on attaque les divisions. Donc. Ah bah oui, dans deux semaines, le 8 mars, on fait des divisions, donc je fais les additions pour l'instant. 15, 17, oui. 18, 21, ce qui fait un total de 5 heures où tu vas tam le tétard. Exactement. 2 heures pour me préparer, on va préparer les questions pour rester. Le mec est ADDE, 2 heures pour me préparer et puis après on y va tranquillement. Voilà. après, bon, voilà. Ok, d'accord. Bonjour Magritor, chef des modérateurs. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais ça va pas du tout aujourd'hui, c'est vendredi. Mais non, chef des viewers, excusez-moi. Non, je vous ai promu, nom de Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non. T'en as mis plus d'en paix. Ah, c'est Flo, mon chef modérateur, justement, qui n'est pas le bot, mais moi qui ai Théo, les personnes qui disent 10 fois bonjour. Pour passer en live. Ah bah voilà, Gabi, les modos ont encore frappé. Il va m'envoyer un SMS, il va me faire « Mais je me suis encore fait Théo !» Je vais dire « C'est bien fait, les modérateurs ont toujours raison. » Et bonjour Oliver Statan, si, wesh, bang, tac, tac.
Bonjour. Oh merde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce genre de merde? Je te le dis tout de suite. Je sens. Bon, bah sinon, personne ne me répond. Je ne sais pas ce que c'est que ce programme. Allo Ciné Live ou Science Friction. Bon, apparemment, ils sont tous partis à la cantine. Il n'y en a pas un pour me répondre. Bon, nous sommes sur Arc aujourd'hui. Avant-dernier jour de live Arc sur ces deux semaines spéciales Arc. On en fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un spécial prenons dino et allons taper l'alpha. Tous les alphas qu'on croise, enfin, tous les dinos qu'on croise, on les déglingue. Ça va être le midi spécial What the fuck. Et lundi, vous verrez, ça sera encore plus what the fuck. On a prévu de quelques surprises pour lundi. Mardi, nous passerons sur Primal sur PC, le nouveau Far Cry, à partir de mardi prochain pendant une semaine. Et le 8, nous passerons sur The Division. Attention, petit entraînement. 10 divisé par 2, mes arènes. 5. C'est bon, tu peux y aller. Oro, 178 divisé par 93,2. Toi, t'es pas prêt, tu n'es pas prêt, voilà. 3,68. Voilà, oui. Allez, bisous. Je me permets de mettre une petite parenthèse sur ce que t'as dit. Si on croise un giga, moi je me casse. Hein. Vous le défoncez sur le non, ouais, on le défonce, on le défonce, je te le dis. Un giga de données, t'inquiète pas. On va voir s'il est doué, Oliver. 1721 divisé par 96,3. Allez-y. Non, ça faisait 17,87. Voilà. Deux têtes, bien entendu. Deux têtes. Mais oui, deux têtes. Ancien comptable de la pègre. Exactement. Bon, juste avant d'aller sur Arc, comme d'habitude, je vous donne trois infos, messieurs. Trois infos. Il y a deux vraies, une fausse. Vous devez trouver laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Are you ready? Yes. Vous avez l'air dans une ambiance. Alors, allez-y, Oro. Est-ce que d'abord je lis la première, la deuxième ou la troisième information? La deuxième. Alors, la deuxième, je vous dis le titre. Alors, c'est dans la rubrique What the fuck. À 16 ans, il gagne un mois en compagnie d'une actrice pornographique. Bonjour. Voilà, ça commence bien. Alors, je vous le dis. En plus, il a une tête, mon pote. On dirait Justin Bieber à 16 ans, le petit garçon. Enfin, le jeune homme. Je vais vous montrer ça. Attendez. Il faut que vous voyez le jeune qui a gagné ça. Enfin, qui a gagné un mois. C'est lui, regardez. Oh, qu'il est beau. Voilà, c'est lui. Il fait pas 16 ans, bon, j'aurais l'impression qu'il en est 13, mais il a gagné un mois avec une actrice pornographique. Alors je vous lis, en Russie, le 23 février est le jour du défenseur de la patrie, un jour férié observé en Biélorussie, au Kyrgyzstan, en Russie, au Tadjikistan, en Ukraine et dans d'autres anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Un site internet qui vend des armes pour des jeux vidéo a donc profité de l'occasion pour faire une opération marketing et ainsi décidé d'offrir un cadeau pour le moins original à ses internautes. En effet, le cadeau consiste à passer un mois en compagnie d'une actrice de film pour adultes dans un hôtel de Moscou. Pour remporter ce cadeau, il fallait être le 100e visiteur du site internet et le chanceux a tout juste 16 ans. Il s'appelle Ruslan Chichtrin. C-H-T-C-H-E-D-R-I-N. Chichtrin. Comment il s'appelle Bah ouais, mais il serait pas bon à Motus. Il serait niqué, lui, à Motus. Donc, c'est un adolescent russe, passionné d'ordinateur. Il est en effet, c'est le 100e visiteur et au grand dam de sa mère. Hein. Cette dernière ne voit pas d'un très bon œil ce cadeau et préférait que son fils se concentre plutôt sur ses études. Mais le jeune Ruslan a décidé, lui, de profiter de ce cadeau qu'il décrit comme un cadeau du destin. Tu m'étonnes. Donc voilà, l'adolescent, impatient de rencontrer son cadeau, prévoit d'aller au cinéma avec l'actrice et l'emmener voir les expos. Alors, pour information, quant à l'actrice, qui s'appelle Catherine Makarova, je vous montre une photo de Catherine. J'ai pris la photo. Regardez les dessins animés. J'ai pris la photo la moins dénudée, bien entendu, vous imaginez bien. Donc, Katarina, voilà, c'est elle, notre petite Katarina Marakova. Elle accepterait de se plier aux demandes non seulement de l'heureux gagnant mais également de celle de ses parents. Ainsi, elle a accepté de venir le chercher après les cours. T'imagines, après les cours, c'est ta mère qui vient le chercher? Non, c'est une actrice porno, ma gueule. What the fuck. Donc voilà, vous avez sur le retour là, la petite Katarina, au demeurant biélorusse apparemment. Et donc elle vient le chercher après les cours et elle dit donc, elle a déclaré qu'il fallait qu'ils se voient afin qu'ils décident ce qu'ils feront ensemble. Hein. Donc je pense qu'elle laisse une ouverture. J'ai une photo un peu plus, voyez, dans la chute de l'URSS, ouais. Katarina a pu notamment poser dans un film qui doit s'appeler, je sais pas, Staline n'est plus. Voyez, je vous montre la photo. C'est Katarina Morodova. Voilà, donc ça c'est la première info, hein. Ce jeune homme a donc gagné le jackpot, je pense que son père préférait être à sa place en mode fils, d'abord papa, mais bon c'est pas le cas. Bon voilà la première info, est-ce qu'après on enchaîne par la première ou la troisième de ce fait-là? Oro, allez-y, je sens que la deuxième est devenue la première. La deuxième c'est bon, non mais la deuxième c'est bon, c'est fait, il reste la première et la troisième, Oro, dites-moi tout. La 1, il s'agit d'une news qui nous vient d'Israël, des policiers qui ont trafiqué des radars pour travailler moins.
Oui, ah bah Didier. C'est ça. Un rapport relève que des caméras de contrôle de vitesse avaient été réglées pour avoir moins de contraventions à traiter. Donc les chauffards israéliens qui s'étonnaient de pas recevoir d'amende malgré la prolifération des radars sur toute la partie Israël. Donc la police trafiquait délibérément les caméras de contrôle de vitesse pour avoir moins de contraventions à traiter. Donc c'est un rapport public. Donc par exemple, sur un axe majeur de Jérusalem, la route de Hébron, les radars avaient été réglés pour se déclencher à 150 km/h alors que la vitesse autorisée est à 80. Tu vois, en mode le mec qui passait à 110, le mec qui passait à 110, il dit bah ça flinche pas, c'est quoi cette merde. Donc ils avaient réglé les radars à 150 km/h au lieu de 80 km/h. Voilà, donc sur ils ont fait ça à plusieurs endroits. Alors notamment sur un des principaux boulevards, le boulevard Namir à Tel Aviv, la vitesse est théoriquement à 60 km/h. Ils avaient réglé les radars à 250 km/h. Voilà. Donc c'est sûr qu'il flashait pas souvent, celui dans l'avenue principale de Tel Aviv. C'était même pas pour les réduire, là, c'était pour les voilà. Sur Twitter, il y a Big Sakid qui dit non mais sérieux, c'est forcément faux l'histoire de la Russie. Sur le chat, ça dit c'est tellement gros que ça doit être vrai les deux. Donc des PV qu'on s'y sautait. Pour information, la police a tout simplement traficoté les radars parce qu'elle était incapable de faire face à l'afflux de contrebande suscité par la mise en place des nouveaux réseaux de caméras. En fait, ils avaient mis tellement de caméras que ça flashait partout. Et donc de ce fait-là, alors c'est une perte, là, c'est une perte de 100 millions de séquelles. Alors 100 millions de séquelles, c'est l'équivalent de 23 millions d'euros. Hein. Voilà. Donc selon ce rapport, la police annule systématiquement les amendes pour excès de vitesse en dehors de leurs heures de service. C'est style, ils l'ont laissé tourner la nuit, ils arrivent, il fait supprimer. Il prend tout. Il fait CTRL A, supprimer. Voilà. Donc ça, c'est l'info spéciale voiture. Et la dernière info nous vient de France, mesdames et messieurs. C'est une info du 25 février. Donc on est dans l'actualité. C'est un fait divers du jour. Le rébat sexuel vire au drame. Elle meurt étouffée par un concombre. Alors, non mais je vous explique. Ça s'est pas passé en France. Hein. C'est un fait divers de cucurbitacées. Ah non, c'est en Allemagne, pardon. Donc, ils avaient l'habitude d'avoir recours à des sextoys, des courgettes ou des carottes lors de leurs ébats amoureux. Un Allemand est accusé d'avoir tué sa maîtresse, étouffée par un concombre qui était censé pimenter leur partie de jambe en l'air. Alors, je vous explique un peu. Leur ébat, donc, tourné au drame à cause d'un cucurbitacé. C'est con quand même, hein. T'imagines le prêtre ? Elle nous a quittés via un cucurbitacé. Ça juste n'est pas crédible. Hein. Ça dit c'est vrai, obligé, faux, obligé, c'est vrai. Donc, leur ébat a tourné au drame. Donc, batifolage avec sa maîtresse. Donc, en gros, l'homme originaire de Mannheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne, avait profité de l'absence de son épouse et de sa fille pour faire venir sa maîtresse à son domicile. D'accord ? Avant de se livrer à des ébats dans le bureau de monsieur, les deux avaient vidé 4 bouteilles de vin et avaient commencé à attaquer le schnapps. Alors, tu vois, déjà, il devait être bien, tu vois. 4 bouteilles de vin à 2 plus le schnapps. Là, déjà, t'étais pas trop en état de prendre le volant. Ni la route, ni rien. Donc, lors de son procès, le quadragénaire expliquait qu'ils avaient régulièrement recours à différents sextoys, dont des godemichés, c'est des zizi en plastique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, réservés aux adultes bien entendu, et qu'il leur arrivait aussi de faire preuve d'inventivité avec des carottes et des courgettes. Mais ce jour-là, faute d'objets adéquats, les amants avaient opté pour un demi-concombre qui traînait dans le réfrigérateur. Tu vois, salade de concombre du soir, il en reste un demi, pas tout fini. Donc lors des préliminaires, ils avaient alors commencé à jouer avec le dit légume et l'homme avait ensuite enfoncé très profondément dans la gorge de sa maîtresse. Donc, l'action avait été interrompue par de la fumée s'échappant de la cuisine. L'homme avait oublié un morceau de viande qu'il avait commencé à faire cuire pour son chien. Il est complètement con, le gars. Donc, ça fume dans la cuisine. Il est en train de batifoler avec madame qu'elle concombre enfoncé dans la gorge. Il file dans la cuisine pour couper le gaz. Après, le mec, il dit au juge qu'il a pris le temps de nourrir son chien, de fumer une cigarette sur le balcon en se disant que madame va bien, il va revenir après. Sauf que lorsqu'il est revenu dans le bureau, elle est inconsciente. Il a eu beau essayer de lui retirer le morceau de concombre, c'est baisé. Elle était dans le coma et elle est morte quelques jours après. Voilà. Donc il attend son jugement, le gars, on l'accuse d'homicide involontaire. Attends, tu vois l'excuse au juge. Non mais vas-y, ça fumait dans la cuisine, j'y suis allé vite neuf. En fait, donc en gros, elle est décédée, mais d'elle-même, elle a dû voir, elle a dû lui faire des signes. Je peux plus respirer, j'ai un concombre dans la bouche, un langage des signes, je ne sais pas. Bon, d'après vous, voilà les trois infos, les policiers israéliens, le jeune garçon de 16 ans qui gagne un mois avec une actrice porno et le concombre tueur, quoi, le cucurbitacé sniper. D'après vous, quelle est la fausse info là-dedans, Musa? Les trois sont tellement énormes en fait. Ah bah là on termine la semaine en beauté. Hein. J'ai envie de te le dire, Musa, pour toi, laquelle est la fausse?
Le concombre. Le concombre pour toi c'est faux, Oro. Ouais. Parce que attends, si elle l'avait dans la bouche, elle avait qu'à le manger. dans la gorge. Musarène, hein, c'est notre spécialiste culinaire. Il connaît le concombre mieux que personne. Oro, pour toi, c'est laquelle la fausse? Moi je dirais, je sais pas, en Russie ils sont capables de tout. En Russie ils sont capables de tout. Ouais, je vais quand même dire l'enfant. Là, l'enfant, ok, l'enfant russe. Ouais, Magritor. Pour moi sur la photo en plus c'est 10 ans. J'irais la police. La police israélienne. Oliver. La police aussi. La police. Alors sur le chat ça dit un mois avec l'actrice, le concombre, le porno, omelette au fromage. C'est what the fuck? Pourquoi omelette au fromage? Alors, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Exceptionnellement aujourd'hui, attends, il n'y a pas... Il y en a un qui a dit la 2 c'est fausse, il n'y a pas de radar. Alors, il n'y a pas de radar pour Russie. les 3, exceptionnellement aujourd'hui, il n'y a pas de fausse information, mesdames et messieurs. Les 3... sont grosses comme des maisons, mais sont vraies. Les policiers israéliens ont bien réglé des radars à 250 km/h sur les axes à 60. Un jeune garçon de 16 ans a bien gagné un mois avec une actrice porno qu'il va réaliser. Et une dame en Allemagne est bien décédée de l'attaque du concours, du concombre. Voilà. Donc les 3 infos sont totalement what the fuck, mais totalement vraies. Aucune n'est fausse. Ce sont 3 vraies informations. Donc pour vous dire, voilà, ça commence bien. Bon vendredi à vous. Le monde va bien. Bon, sinon nous sommes sur Arc, mesdames et messieurs. Trêve de transition. Ah bah cool. Nouveau point disponible pour mon bestiau. Allez hop. Donc nous sommes sur Arc Survival Evolve en compagnie des copains. Il y a notamment Oliver avec son fameux Olgo V2. Oui. Oui, bonjour. Rexona, le T-Rex féminin avec son pilote Magritor, Dieu Kappa. Coucou, Kappa. Voilà. Gamma, Kappa. Musarène avec son T-Rex mâle appelé Ren. Ça fait Musarène, vous voyez. Jeu de mots de merde. Et Oro, c'est de moi en plus, c'est de moi. Non mais soyons francs, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Et Oro qui est avec Vlad. Et quant à moi, je suis avec Clicor. Voilà, donc on a 3. C'est pas Vlad, c'est Vald. Ah, Vald, pardon, excusez-moi. Vald, Vald à la piscine. Vald à la piscine, Valdingué. Quoi, ce qui est Valdingué? Bon, nous sommes donc avec 3 spinosaures et 2 T-Rex. Et le but aujourd'hui, c'est de buter tout ce qu'on trouve. On vous a promis un spécial, mais où est donc les alphas? Nous allons donc partir à la recherche d'alphas en tout genre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous criez un coup les T-Rex, qu'on soit content? Non. Vas-y. C'est une fois et après c'est fini. Attention, je suis chargé. Hein. Non, non, mais ça va, je l'aurais autorisé. Feu. Bon, bah, c'est parti, on y va là. On va où? Dans l'eau, super, juste pour faire chier les T-Rex, hein, on va où? Allez, non, parce qu'on y est, mais on va où maintenant? Salut, on y va. À lundi, non? Bon bah, bon week-end à vous. Attends, j'essaye de copuler avec Rexona, viens ici. Viens ici, il y a Clicor, il a envie. Ah bon, on est glitché, quelqu'un peut y chercher. Hein. Non, mais j'allais partir. Allez, on passe par là, on va passer devant chez Bob et tout. Alors, l'idée c'est de trouver... Vous aviez pas trouvé un spot de Rex Alpha? Oui, oui. Bah, on vous suit alors. C'était bien tout au nord. En plus. Et bah voilà, allons-y au nord. On peut pas faire une backup. On passe par l'intérieur. C'est la chenille qui redémarre. Le pont ça donne, on n'a pas tout fait donc. Le pont il a pas avancé. Je vous laisse passer devant. Il est mis en bois, mis en molette, il est tout. Hein. Mi bois, mi pierre, mi molette. Ah ouais. Et l'autre il attaque du trio beat. Non mais vas-y, on va attaquer. On va bouffer toutes les bestioles, mais des. Voilà. Les plus grosses quand même. Bon, on a juste perdu Magritor qui nous rejoindra après. Pour l'instant, on a un des... Tu veux qu'on fasse un détour par chez Bob? Non, on va passer par chez Bob. Magritor arrive. Bah alors, parce que... En fait, ce qui est con, Musa, il est en Rex. Il va... on va passer par chez Bob. Non, il y a juste ça à traverser. Il y a juste ça à traverser. Voilà. On va aller faire un petit tour chez Bob le Gob, voir si ça a avancé chez lui. On passera peut-être d'ailleurs chez sur le chemin chez... chez les boulets, là. Les ouais, c'est ça. Boules, hein. On verra, sauf si le chemin n'est pas propice. Hein. À l'est de la map, il y a un spot Alpha Raptor. Nous, on veut un Alpha Rex, on va le défoncer. Mais les Alpha Raptors, ça allez, spawn on partout. On va te sécuriser l'eau. Il n'y a pas de zone spéciale. Ça nage vraiment bien. Comme la Rex. Tan-lom, 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 wing, wing, wing. Je suis en combat. T'es en combat avec quoi? Avec une mouche. Non, avec un requin. Ou un piranha. Là c'est piranha, ils sont piranha cul de... Ils sont cul de... Oh damn. Ils vont attaquer Musa. Vous allez se faire manger. Ça me bouffe les potes. Bon, tant que t'as de la vie, ça va. Près de la neige, il y en a beaucoup. Ouais, on y va. Mais c'est là où on va. Hein. Putain, les plages... Ah,
Un dodo. Tout ce qu'il croise, il le bouffe à une tortue. Bouffons là. Oh, les tortues, c'est horrible, ça a tellement de vie. Bonjour, c'est nous, c'est Carnivorus. On s'est dit que pour la fin de semaine, c'était sympa de faire un petit périple comme ça. Alex, il va perdre son dino sur des mouches et des dilos comme la première fois. Non, des mouches, hein, c'était des mouches. Des moustiques et des dilos. Bah, en fait, nous, avec les spinos, on aurait plus vite d'être dans l'eau. Ah oui, clairement. Bah, tu vois, je t'ai dit, on aurait dû tamer un spino plutôt qu'un Rex. Je t'ai dit, tu m'as dit Rex, c'est bien, j'aime bien. Ah non, on a fait comme ça. De toute façon, il y a Magri qui arrive avec Rexona après, tant qu'ils nous rejoignent. Tout doucement. Ça dit pas de thème de Mosasaur finalement. Moi, non. Si, ça sort. Ah, si, 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 ce soir, mais si, je suis con. Je pensais Giga. Non, non, c'est Mosasaur, ça sera haut à partir de 15h. Vous le retrouvez sur le www.lesclictv.fr, rubrique plane, hein, vous avez tout le lien. Et j'ai toujours pas de nouvelles de la rédaction concernant l'histoire de Halo Ciné Live. Je sais pas ce que c'est. Tu me fonces dessus, t'as vraiment l'impression qu'il sort de la. T'es content de nous avoir glitch, enfoiré ? Coincé ? Bah oui ! Tu m'as sauté dessus, vraiment, j'ai cru que tu sortais de la forêt. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Coucou. Tu te poses sur moi, toi ? Voilà, tu meurs. Salaud. Pour savoir où c'est, suivre les cadavres. Il y a des cadavres partout. Ça se trouve où le Mosasaur dans l'eau? J'allais répondre dans ton cul. Mais t'as dit comme ça, c'était tellement beau. Il y a Zeklin, oui, parce que c'est vous aussi les viewers qui m'envoyez les infos. Qui dit merci d'avoir donné mes belles infos. Par contre, le concombre, c'est chaud. Ah, mais tellement. Putain, mais tu vois, ça va expliquer à ta femme. Déjà, ta femme, elle apprend que t'as une maîtresse. Et en plus de ça, que tu vas aller en prison parce que chez toi, il y a une nana qui est morte avec le concombre que t'as cuisiné hier soir. Non, je crois qu'il a la réponse dans le chat. Allo Ciné Live, ils vont parler du film. Merci. Ah merci. Merci Chimix. Chimix. Chismix. Chismix. Thanks. Excited. Ah, c'est donc ça. Donc dans le journal du hardware, il peut hardware. C'est faut pas trop s'approcher de l'ordino. Pourquoi? Faut pas marcher sur le pont. Sinon tu fais des dégâts si tu sprintes à côté. Moi c'est baiser, je vais tout péter sans faire exprès. Hein. Faut pas marcher sur le pont. On fait des dégâts sans spin dans spino. Et moi je suis emmerdé, regarde. Comment je passe maintenant? Bonsoir. Et ben ouais, ils ont foutu un pont. Non, Alex. Quoi? Non. Quoi? Ils doivent construire un ah bah c'est ça la fameuse technique pour que ça coûte pas cher les ponts. Bah non, il y a juste. Si juste je marche dessus, ça va si je sprint pas. Marche dessus, je crois que c'est. Je sais pas. Je sais pas, si tu marches dessus, je crois que c'est. Voilà, il c'est le premier, recule et regarde. Bah je peux pas voir. On verra pas, on verra rien. Ah, on peut pas voir. Bah non, je suis pas avec eux. Putain, marche arrière, mon pote. Bon, qu'est-ce qu'ils ont construit? Bah, pas grand chose en fait. Ils ont exploité leur spino. 8500. C'est moi qui t'as fait des dégâts. C'est pas moi. 7, 8006, mais en fait, ils ont rien. Ils ont juste toujours la même cabane en bois en fait. Avant. Ils ont depuis, pas. C'est plein de couleurs aussi. Allez, à part le fait que vous avez peint les dinos, vous. Je crois qu'ils ont fait du stack. Bah non, il y a un truc là-haut. Parce qu'il y a que moi qui entends pas le jeu aussi, mais il est plus bas. Il est plus bas, un pont en plastique. Il y a un truc là-haut. Ce soir, non, il sera pas là. Un peu sur la montagne, là, il y a une petite construction. Mais qu'est-ce que c'est que leur truc, là? Ah, mais ça a pas avancé, en fait. Mais ils jouent pas. Ouais, t'inquiète, on est des farmeurs. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Bon, bah, avançons, alors. Hein. Nous n'avons pas le choix. On va vers chez Clé. Nous qui voulions meubler avec de... On peut aller voir du côté de chez Clé, tu vois, les trucs. Oui, parce qu'il y a un peu plus de trucs. Ah, oui. T'en vois rien, là. Hein. En fait, ils ont pillé nos trucs. Si tu regardes bien, ils ont pillé les spinos. T'es dans l'eau, mais t'as pas le bonus d'eau. Il est où, Musa? On a pas Musa ou quoi? Non, ils sont à côté. Plage, ils sont à côté, là-bas à droite. Ils nagent. Je nage pas aussi vite que vous. Non, mais là, nous, on avait pillé en fait. T'as pas pillé, toi? Si je te vois, oui, t'as pas pillé. T'en vois rien avec le brouillard, là. Je vais demander mon chemin à un dino. Excusez-moi. Vous auriez pas vu le... Ah merde, je l'ai bouffé.
Oh là là, on voit même pas où on va, sérieux. Oh là 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 là, on voit que dalle. Moi, tu devrais avoir pied aussi, Musa, par là. Ils sont passés où, Michel et Maurice, là? Michel, Maurice? J'attendais Musa, moi, en fait. Mais quand t'es en dino, t'as pas soif, t'as pas faim? Oui, ça descend. Mais vu que toi, tu bouges pas personnellement... Ouais, donc ça descend pas vite. Ça descend moins vite. Ça attaque vraiment vite le Spino. Moi je mange tout ce que je croise. Hein. Moi j'ai mangé deux tortues. Autant qu'on attend Musa, nous on mange tout. Quand Musa il arrive, il se dit tiens. En fait, moi, quand je nage, je perds de la stamina, du coup. Ton éclairage part en couille de temps en temps. Ouais, je sais pas pourquoi. Faut que je re-règle toute la partie éclairagissement. Mais je sais pas pourquoi, ça. Ouais, il y a des fois, selon les couleurs, part en couille. Donc je pense que le fond vert a peut-être été bougé légèrement sans que je fasse gaffe. Les lumières doivent pas être positionnées de façon level optimum. Bien en gros, bientôt la plateforme Quetzal non pas. Non, surtout, bah non. Une journée pour faire un level. Moi, regardez, je suis 60. Je suis 60, bientôt 61. Et mon Spino est 105. Bientôt 69. Et faites te rendre compte que tes bestiaux, ils prennent plus de level que toi, quoi. Bah, surtout qu'en fait, quand tu les tames level 80, c'est comme si t'étais level 1, en fait. Oui, pour eux, ouais. Donc, ils prennent très vite des levels. D'où l'intérêt d'aller farmer des hauts. Oh, vous allez me faire traverser tout le truc là? Là-bas au plus loin, c'est plus resserré. C'est plus resserré. Et la rivière d'après, il y a pied. Ah, il y a un requin. Il y a un spin ou de l'autre côté? Oui, c'est moi. C'est toi? Il n'y a pas de spin. Vous êtes pas parti en mode de vie. Je me fais bouffer! Par quoi? J'en sais rien! Continue à avancer, genre. Oulala, y'a trop de piranhas. Voilà, par contre, j'ai plus d'oxygène. Ouais, bah, je m'étouffe! C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'oxygène, moi. Ah bah. Okay. T'as un concombre ou comment ça se passe? Bah, ouais, j'étais en mode concombre là! Les méga piranhas, j'en ai défoncé pas combien, et là, ça vient de m'afficher le dossier. C'est quoi le programme du jour? Alors on va aller chercher l'Alpharex là, on va aller défoncer tout ce qu'on croise. Du carnivore, l'idée c'est de défoncer tout carnivore, c'est d'aller montrer qui c'est le patron. Hein. Vu qu'on a ce qu'il faut, on va aller jouer un petit peu. Ah bah voilà, Musaren il me pose une crotte avec son renne là. Vous avez rien tam en aquatique? Non, pas plus que ça, mais c'est prévu. Oui. C'est prévu cet après-midi avec Oro. Oh, on a du mégalodon déjà. Ouais. On a du mégalodon quoi. Kamagama. Ah bah voilà, Magri, on va pouvoir nous rattraper. On va chez Yorga, Clé et tout ça, Magri. Ok. Comme ça, on avait le temps que tu nous rattrapes, tu vois, pendant ce temps-là. Vous avez traversé le double branche Vous êtes devant moi, je vous ai perdu. On vient à peine de traverser la petite rivière où on a pied là. T'as le airdrop blanc là qui est pas très loin. Il est presque en dessous. T'es où toi, Oro? J'étais dans la forêt, ah oui, je vous vois. J'étais au-dessus dans la forêt, il y avait un chemin de terre, je suivais le chemin de terre. Bon,
Oh, tranquillou, man, allô. Ouais, ça dit Muzarin, il pose son territoire, il pose des petites pêches. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, avec son T-Rex, il pose des petites pêches pour dire c'est chez moi, quoi. Tu peux toujours... Le mien, c'est un T-Rex femelle. Tu peux toujours, en faisant O, non? Tu peux pas chier automatiquement? Si. Si, mais c'est l'arrivée, quand même. Mais il a pas envie, hein. Mon Spinosaur n'a pas envie. C'est le dieu. J'étais dans l'eau, je suis pas sûr que ça marche. Mais je suis pas dans l'eau, là. J'appuie sur O, mais il veut pas chier. Oui, alors, ça va pas être... Ah bah, c'est... Il a fait un prout, je crois, non? Ah, on arrive. Faudra gaffe de pas faire péter chez eux, parce que s'ils ont des dinos... On peut pas. Ah oui, on est en amis, c'est ça? Ouais, on est en alliance. Pas alliance, ils m'ont quand même enfermé. Ils t'ont enfermé, ils ont osé. Oui. Brisons cette alliance. Je me suis pris. Mais qui part en couille, tu sais. C'est pas pourquoi. Bonjour. Il m'a coupé la priorité. Ouais, j'ai coupé la priorité à droite, moi. J'ai cru que t'allais aller sur la plage. Zéro respect, quoi. Et un Spino là-bas, c'est qui? Tout le monde devant. Ah oui, tu t'es TP d'un coup, je te voyais à l'opposé. T'as par contre, quand t'es sur Terre, le Rex est mieux que le Spino. Je trouve. Moins facile à... Enfin, tu me diras, les deux sont énormes. Il y en a qui sont partis à droite et d'autres à gauche, il fallait où? À gauche. Enfin, à droite. Droite, tu prends à gauche. Ah non, mais c'est le Spino et Yurga. Je disais, un Spino, c'est Yurga. Pourquoi tu passes par là, Oliver? Parce que c'est là, leur base. Ah oui, elle est là? Ah bah oui, s'il faut repartir par là après, d'accord. Alex, je te vois glitch. Oh, moi, les trails, ils sont un peu... Level 65. Ouais, ouais, c'est ça. J'arrive, hein. Y'a un dodo qui m'a fait de l'œil. Je l'ai bouffé. Un Yeti, viens, on tape le Yeti. On mange le Yeti. Lou Yeti, où y es-tu? M'entends-tu, Lou Yeti? Bah j'ai mangé le Yeti. Je suis en train de tout manger, moi. Tout ce qui est sur mon chemin, je le mange. L'appétit est énorme sur ma bête. Quoi, je suis coincé? Ah, c'est bon, je suis décoincé. Voilà, je mets en gamma 3, limite on voit mieux la nuit. C'est des maps random? Non, elle est pas random la map, elle est, c'est la map arc. Ah oui, d'accord, on est chez eux là, je vais éviter de. Joli leur volière, j'aime bien là à droite. Un peu petite, ouais, je trouve, mais c'est stylé comme ça. Donc, ça, c'est chez. Sur le panneau. C'est chez Clé, Tiwell, Yorga et Soldat, je crois. La maisonnée des meilleurs. La maisonnée des meilleurs. En plus, ils s'aiment, les gars. Tu vois, ils ont des enclos un peu partout. Gamma 4. Je crois. Attends, si je me trompe pas. Ah, c'est ça. Oui. Ah non. Oui, voilà. Ah oui, t'es comme ça, toi, tu... Moi, je rentre. Les copains, on est en alliance. Putain, elle est immense, leur porte. C'est une behemoth, ça. Ouais, behemoth pierre. Behemoth pierre. Elle est énorme. Ils ont un T-Rex Albinos. Oui, oui. Non, oh, tiens, ça me rappelle quelque chose ici. Ah bah oui, oui. Bah ça peut te rappeler, oui, parce qu'on a eu des petits soucis ici. Un Carnot, putain, mais ils ont quoi? Ils font un arche de Noé ou quoi? Dans notre pont. T'as combien de vies, behemoth pierre? Quand même. Ah, 12500. Ah bah je me suis arrêté faire un petit caca, hop là j'ai déféqué dans l'eau, et on est reparti. Ah, ils ont d'autres enclos ici, what the fuck. Au fond, ouais, au fond les enclos qu'ils ont, mais c'est, je crois que c'est pour Tam, ils les emmènent, c'est les enclos. Non, non, il y a 4 castors, il y a 4 loups. Oh là 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 là. Je croyais que c'était l'enclos pour Tam, la dernière fois que je suis venu, c'est ce qu'ils faisaient, ils utilisaient ces enclos là pour Tam. C'est quoi là-bas? C'est stylé comment ils ont fait ça. Ah, c'est des non, mais ouais, c'est stylé comme ça pour Tam. Je pense que c'est pour Tam, hein. Il y range un peu dedans, mais c'est quoi là-bas? Dessert. Ouais, dessert. Tam, ils nous font une arche de données. De données? Une arche de données, ouais. Mais non, mais une arche de... arche de Noé. Ah, oh, mais
ferme-la, quoi. Ah, c'est pour les accouplements. Mais les côtés... Limite, avec Oliver, on est en train de se disputer la bouffe, tu sais. Doucement. Bon, on va attendre Rexona. Il va y avoir la pub, de toute façon, en attendant, là. D'ici quelques minutes, il va y avoir la pub. On va trouver un petit spot tranquille, et puis... on va nettoyer chez eux. On va leur faire ce plaisir. Ils vont revenir, ils vont y arriver. Qui c'est qui a puni ? Ça nous a... Moi, j'aime bien quand il crie comme ça. Je supporte pas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. C'est pour ça que j'ai pris un Spino, parce que si j'avais le règle, je le ferais toutes les deux secondes. Vraiment. Avec un règle, j'aurais fait ça toutes les deux secondes. Et le pire, c'est Magritor, hein, parce que quand il a un dino qui fait pas de bruit, c'est lui qui le fait à la bouche. Hein. J'ai pas de quoi tu parles. Oh, le poème ici. Pom, pom, pom. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a mangé toute la rivière. Il est énorme. C'est quoi, combien? Je sais plus, mais je l'ai bouffé déjà. Putain, là, je viens de prendre 85 viandes rien qu'avec le... Ah ouais, putain. Il a de quoi manger, mon pépère. Allez, pépère, on y va. C'est des machines à viande, ces trucs-là. C'est vraiment des grosses machines à viande. Donc là, on va remonter. On va trouver un petit spot pour la pub d'ici 5-10 minutes. La cascade. Ah, la cascade, c'est très bonne idée. Ouais. Et ouais, c'est con, un clic droit, je m'ennuie qu'il n'y ait pas de cri. Hein. Ah, sinon, je ferais du cri tout le temps. C'est pour montrer qu'on est là, aux bestioles. Voilà, en même temps, une bestiole... Là, Oliver est descendu. Laisse, copain, encore tranquille. Combattez le mec, il vire Oliver de la... de la guilde, tu sais, juste pour se battre, t'sais. Alors maintenant, tu veux te battre? Pourquoi toi, t'es monté, pas moi? C'est cette arnaque. Je suis plus level. Attends, je t'enlève les puces. Aïe! Je te fais mal? Mais non, mais on est glitch. Attends, je recule, ça va bien se passer. Ah, c'est bon, c'est bon. En fait, on est en train de faire un test de 4-4 là. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Ça monte, ça... Hein, ça monte. Mais ça passe partout. Ça passe partout. On n'est pas dans Fort Boyard. On n'est pas dans Fort Boyard. Oh lolo, les 4-4, le truc. Le. Nous avons fait pour vous le nouveau test du Range Rover 22. Il passe partout. Ça faut aussi Scorpion. Regarde le. Ah, c'est à qui le Rex là? Ah, bah c'est Musa. J'allais dire, oh, il y a un Rex. Ah, bah c'est beau ici. Ça permet de. Attends, c'est magnifique là. J'adore le côté petite rivière là. On n'avait pas fait un truc d'une rivière là au-dessus d'une cascade? Ça me dit quelque chose. Non? Oui, vous avez commencé ici. On n'avait pas commencé tout un truc. Tout en bas au début. Ouais. Putain, c'est magnifique ici. Il bon, y a un Yeti, je vais le manger, mais. Je te dis pas tous les piranhas qu'il y a dans cette eau. Ouais. Piranha de niveau 200. Il y a un gros lac là derrière. Putain, c'est magnifique! Un lac avec une île au milieu? Non, putain, mais c'est magnifique ici. Voilà. C'est ça qui est sympa aussi de se balader à pied, c'est que tu trouves des coins vraiment sympas. C'est vraiment très beau ici. Sérieux, c'est magnifique. Tadatin! Level! Level de dino, je pense. Au hasard! Non, je regarde. Dans le lac, tu sais, le truc, il a même pas Giga la place. Giganodo! Il a même pas la place de regarde là, tu me vois plus. Tadala! Tam! Tam! Tadala! L'attaque! Mangez les tortues! Il y a des dinos, Alex. Il y a des mouches. Et va te faire. Ça va, j'ai perdu un dino. J'ai perdu un dino, laisse-moi tranquille. Qui en théorie était immortel. Hein. Je vous ai bientôt rejoint. J'ai juste la montée. Ça dit, ça donne envie d'y vivre sans les dinos. Ouais, t'as envie de mettre. T'as envie d'appeler les rois de la cabane pour qu'ils te fassent une cabane ici, quoi. Bon, ça va être l'heure de la pub. Vous savez quoi? On va faire la pub là. Pendant que Rexona nous rejoint, on va puber ici, les gars vont me protéger, ça devrait aller. Je vais me mettre ici comme s'il faisait un petit dodo. Je vous ramène un giga.
Ah, nickel, magnifique. Donnez-lui pas les coordonnées d'où on est. Bon, les gars, on se donne rendez-vous ici d'ici quelques instants, juste après une courte page de publicité. Je sais, oh non, pas la pub, mais c'est comme ça, c'est le fonctionnement. C'est ce qui nous permet de manger. Mesdames et messieurs, ne quittez pas, je suis toujours avec Musa, Auro, Magritor et Oliver. On est ensemble avec vous jusqu'à 15h et ça tombe bien, on arrive d'ici quelques instants. À tout de suite. À tout. Il est midi 45 et vous regardez toujours Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est la seule émission où on vous fait tenir le concombre pendant qu'on va vérifier que la cuisine se passe bien. Et oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Et peut-être qu'on vous offrira d'ailleurs un mois avec Oliver Statan en fin d'émission dans un hôtel Formule 1 de Tourcoing. Ça nous fait plaisir. Bon, il y a toujours Musa, Auro, Magritor et Oliver avec nous. On est toujours sur Ark Survival Evolve. Je baisse mes gammas à 3. Non, Oliver, ne descends pas. Tout va bien. Ils sont passés où? J'ai plus que les Rex, les autres se sont barrés. Non, regarde. Ah, le plongeoir. Ah oui, vas-y, faute. Le mec faute. Oh, les gars. What the fuck? Tu descends l'escalier, mec. Attends, faut que je teste. Il nous a fait un airwalk. Ah, tu nous as fait un airwalk. Attends, faut que je teste si ça airwalk moi aussi. Faudrait qu'un T-Rex voit, ça peut être rigolo, un T-Rex sur deux pattes. Ou faire un plongeoir. Ça va être de marcher en vol. Mais attends, ça peut être rigolo, un T-Rex qui vole. Non, dans l'eau c'est moyen. Vas-y, Magri. Dans l'eau c'est moyen, vas-y, Magri. YOLO, les copains, go. Pot, 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 polo, pot, 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 voilà, pot, pot. Youhou. Eh, t'as pas marché, toi. Si, mais même. Si, mais ça se voit beaucoup moins. Ça se voit beaucoup moins. En fait, ça fait. Je passe en mode sport. La nage. Bon, allez, on y va. Direction l'Alpha Rex. 71-22, ok. Je suis caché, personne ne sait où je suis. Magri dort au fond du lac. Il doit marcher au fond du lac avec le T-Rex Mat. Il ressort en mode bonjour, je suis un T-Rex amphibique. Nord-nord-est. Ça te demande sur le chat, je vous rappelle, vous avez un chat à droite du lecteur, comment on met le jeu en français. Tout simplement, quand tu lances le jeu, il y a écrit Arc en français. Parmi les multiples. Moi, je lance normal, il en. Ouais, c'est ça, pareil. Ouais, moi aussi. Ça dépend de ton compte, comment la langue que t'as l'écrit. Quand on est dans la forêt, moi je me mets en vue première personne, hein, non négociable. Ouais, bon, tu te mets derrière moi, t'inquiète là. Yeah, des forêts. Où ça? Oh, il est prêt. Manger! Oh putain, on est 20 dessus là. Alors évitez de, ouais, de se coller, sinon on glitch, je vais prendre des points. Je sais pas où il est, mais je tape. Manto! Il est de revanche. Ah, il est plus là. Ah, c'est là. GG. 49. Moi je mange les armes maintenant parce qu'on voit plus rien, alors je sais pas où je vais, mais j'y vais. Scorpion. Oh le merdier. Y'a quelqu'un dans moi là, non? Y'a quelqu'un dans moi, non? T'es mort du lac, mais t'es encore derrière toi, oui. T'as pendant la pub d'ailleurs, y'a un scorpion qui me tapait. J'avais la torpeur qui montait tranquillement. Et des moustiques. Oh, déconnez pas, tuez les moustiques, me les laissez pas. J'ai trop peur des moustiques. Ah si si. Ils vont en haut de la montagne. Oula oula, hip, là, hop. Tout le monde en haut, hein. Là, t'es pas, mais... Ouais. Il y en a qui mettent un drap. Il a posé sa pêche au du sommet. Salut, c'est moi, vous vous rappelez, c'est Caca Totor. Youhou. Moi je fais pas ça en juga, hein, parce que le truc, tu fais une face manœuvre sur un rocher, tu prends des dégâts, tu tout le monde quoi. Est-ce que j'ai toujours Eddie Morphodon sur. Ça demande où est Eddie Morphodon? Il est sur mon épaule, Eddie Morphodon? Sur ton épaule, hein. Si, il est là, regardez. Attendez. Il est là, Eddie Morphodon, il est sur mon épaule. Il se repose, hein, il se dit qu'il a pas grand chose à foutre là. Moi j'ai un compi sur le dos, sur l'épaule. Bah assis-toi, tu l'auras dans le cul. Pardon, non, excusez-moi. C'est... Non mais j'imagine juste le T-Rex qui s'assoit sur le compi. Suppositoire à camion. En fait c'est une Smart, le compi par rapport au. Au Rex c'est une Smart, ça, pardon, une Pento. Voilà, ça vous rappellera des. Gamma, mais laissez-moi avec votre dieu gamma de merde. Gamma. Dieu gamma. Ça va, on voit très bien quand c'est blanc. Moi je regarde le retour, c'est plus agréable que quand on voit rien. Attends, je suis dans la forêt, je vois que dalle. T'aimes bien quand c'est blanc? Moi j'aime bien quand c'est blanc. J'aime bien notre araignée qui s'appelle Nejdan et qui jute. Jute pas étoile. Elle jute pas étoile. Putain, mais barrez-vous les arbres. Il y a des bambous, des arbres, on voit que dalle. Moi, bon, toi, qu'est-ce que tu fous là? Allez, donne-moi. Je sais pas.
Et t'énerve pas, Magritor, voilà, voilà. On a fusionné. Mais vous avez fusionné, les bébés, arrêtez de copuler, nom de Dieu. Oh le merdier. Mais, moi je vous suis, mais comme un con, je vous suis. Tu sais que je fais un chemin en fait, depuis tout à l'heure. Mais contre quoi, qu'est-ce que vous mangez là? Je sais pas, il y a. Oh là là, mais putain, la caravane. La caravane. Jésus-Christ, la caravane passe. De toute façon, faudra suivre la rivière après. Moi je suis le long de la plage, au moins, il n'y a pas de soucis. Ah bah tu m'étonnes, j'aurais dû venir avec toi. Hein. Mais en restant derrière moi, t'as aucun souci d'arbre. Mais je sais pas où ils sont passés en fait. Je sais pas où ils vont. Mais vous faites quoi, Musa et Magri? Vous allez où là? Il est où, Oliver? Moi c'est bon, je moi je suis devant, je pense. Mais attends, je sais pas où ils vont là. Magri, tu vas où? Bah vers l'alpha. Ah d'accord, bon bah. Je te suis, il y a des arbres. Ah merde, j'ai tué des compis sans faire exprès. Poussez-vous, je passe! Ah, mais je suis en train de me faire agresser là! Cassez-vous! Des broussailleuses, hein, moi je te le dis tout de suite. Ah, mais sérieux! C'est le scorpion farming du Jurassic le truc. Je vous ai perdu. Ah, Magritor, il a la queue qui bouge. Il a la queue qui frétille. Oui. Je sais pas, là, Musa, remonte. Tu me vois pas là à travers? Mais qu'est-ce qu'il veut le trike? T'es pas sérieux? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis au niveau de la fosse. Oh, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Y'a pas un trike par là, mais laisse-moi tranquille. Tu me vois, Alex? Et je t'ai vu passer, j'ai vu un T-Rex au loin, alors c'était peut-être pas toi. Hein. Pour ça, t'aurais dû le peindre. T'es là-bas, vas-y, va à ta gauche, sur ta gauche, et tu montes. Y'a un Spino devant moi. Là. Mais moi-même, comme j'ai perdu ma grille, après on sera que deux, mais au moins mieux vaut deux, tu l'auras. Tu vois pas des arbres qui tombent là? Garde. Ah, j'ai ok, je suis rond, dans une plaine. Il y a des raptors qui sont en train de défoncer un gorille. C'est peut-être le gorille qui est en train de défoncer le raptor. Oh, je sais pas ce que je bouffe, mais je le bouffe. Hein. J'ai quelqu'un derrière moi? Non. Si, il y a un truc qui me tape. Il est où? Bah, Maurice. Attends, on va faire un petit coup d'accélération dans les bosquets, là. Je sais pas où vous êtes. Hein. Je vais arriver dans la même clairière que toi, je pense, Musa. Moi, je suis dans une forêt. Ah bah oh, nous on arrive à une clairière là, YOLO. Je crois ça. Ah bah oui, c'est vrai. Tu m'as trouvé ou pas? Je te vois, je suis là. Ah bah salut. J'ai retrouvé un copain. Je sais pas par où faut qu'on aille maintenant mais... T'as retrouvé qui? J'ai trouvé Musa. Ah. On va donc mourir. Non mais après faut aller par où? Je vais faire la carte. Nord. Nord. Bon, on contourne la zone hiver non? Nord, ouais. Non, bah là on est... Bah nous on est en 60, allez, 62-22. On est dans la plaine. Sinon on va tous mourir. 62-22, attends j'ai GPS. Bah what? 62-22? Ouais, en 45-27. T'es en 45-27, ah mais t'as tracé. C'est qui dans l'eau là? Ah oui, j'avance. Dans la rivière. Ah faut qu'on aille au nord alors. Ouais bah là où je vais en fait, j'ai l'impression. Ah y'a un carnot mais... là-bas, je vais le manger. Je suis au niveau de la rivière moi qui passe. Mais putain, qui c'est qui me bloque là? Ouais Coron, on est pile. Putain de... Ta race, je vais tous vous bouffer, bande de tarés. Commencez foncièrement à me faire chier. Bah j'ai le trike, j'ai tout le monde là. Bah alors là, tous crevés. Arrêtez de me faire chier à un moment donné. Comme ça me fait prendre du level en plus. Bordel. Qu'est-ce que tu veux toi le moustique? Moi je te déglingue. Non, fais pas trop mal, hein. Après j'ai mal, j'ai bobo. Je tombe de la cascade moi. La cascade. Mais je sais même pas où on est avec Musaren, nous, alors... Il y a de l'eau, ici. Nous, 50-20. Nous, on est en 60, en 55. 55, bientôt 30. 25. Je prends la cascade au-dessus, Marie. 45-29. Ouais, nous, on est... Vas-y, passe à gauche, Musa, je fais le... On est dans la... On remonte la rivière pour aller... Ouais. Dès que vous croisez une rivière, vous allez à droite. Non, ah, Alpha Raptor. On se le fait, ah, Musa. Celle-là. Attends, là. Je regarde le... Je regarde, combien il est. Femelle alpha raptor, niveau 20. J'arrive. Attends, mais j'ai vu un alpha. Ah, hein. Ouais, il est là-bas. J'ai besoin d'XP, moi. Ouais, il est là-bas. Attends. Ne fonce pas dedans, il est où? Je voudrais voir le level. Ah, il y a des putains de... 23, l'alpha raptor. 23. Ouais. Qui ça? Faut y aller à plusieurs. C'est moi, ça. Bah oui, faut pas... Musa, t'es où? Ah, t'es là, ok. Attends, il est là, il est juste là. Ah, il y a un drop violet juste là. Ouais. Mais pour l'instant, les mecs. À deux, ça va le faire. Pas du tout, ils sont. Attends, je régène un peu ma vie, je régène ma stamina. Allez, il vient. La mort d'Alex vient. En live. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est à peu près ça. C'est possible, 25 c'est haut. Et c'est haut, 25, hein. C'est très haut. Attends, laisse-le, on va attendre. Ouais, si les copains peuvent arriver, on est en 55. 55, 28. On est juste à côté, si vous voyez le drop violet, on est vraiment juste à côté. On la voit pas, on est dans la forêt. Ah ouais, mais vous êtes à l'autre bout. Bah, à l'autre bout, à l'autre bout. Ils sont tout droit, quoi, il faut continuer, quoi. Bah, il y a un continent entier, quoi. Bon, bah, j'ai pas le choix, on va y aller, Musée, on va le niquer, hein. On arrive, hein. Bah ouais, mais il est à 2 mètres de nous, je veux bien faire un coup de marche arrière. Bip! Bip! Avec Musée, on fait des coups de marche arrière. Ça serait quand même de mourir dessus. Bah, en fait. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que ça serait bête. Bah, il est parti un peu chasser plus haut là, donc ça va. On vous tue un tir. Il y a un spino aussi. Il y a un spino aussi. Forêt, non, on est dans une plaine avec. Il arrive. Non, ça va, t'inquiète. Il y a un spino aussi, on est dans une plaine avec de la flotte. Je suis au rayon violet. Attendez, je vais essayer de le re-regarder. Ah bah putain de spino. Attends. Voilà. Monte-moi l'alpha. Tu es où, petit alpha? Putain. Non, 23 l'alpha. Il y a un spino là-bas. Ça doit être toi le spino. Je suis derrière moi. Il y a un spino en plein milieu de l'eau là. Ah bah c'est vous, non mais je suis derrière. T'es derrière nous? Ah oui d'accord. Ouais, je suis redescendu pour moi genre. Donc l'alpha est un peu plus loin. Carrément allé là. Bah je sais pas, nous avec Musa on a... Oh, vous êtes perdu. Bon, on y va. À cause de Magri. Attends, bah non. Allez, la Rex qui arrive. Ok, donc il y a Magri qui est derrière. Magri qui est derrière. Je prends les dégâts et y'a pas de soucis. Mais toi, c'est vrai que t'es un véritable tank. T'as combien de vie avec ton truc? Plus de 5000. 5200. Nom de Dieu. Faut laisser passer la Rex. Y'a un Spino aussi à côté. Ouais, il y a un spino sur la rive d'en face. C'est où, Magri? C'est pas Magri. Je régène dans du. Vas-y. Laissez passer le Rex! Laissez passer le tank! Et il y aura un spino à faire juste en face. Deux spino. Ah bah voilà, un petit couple de spino après. Il est sérieux? C'est bon, il est coincé. C'est bon, je prends les dégâts. Par contre, ça le pousse. Ouais, alors attendez, parce que si on avance tous en même temps, Oliver il sprint en plus, il veut le tuer, Oliver. Ça fait plus de pex, hein. Alors bah, on est 4 gros comme. On est 4 gros contre. Avec Magri, je crois qu'on a fusionné. J'aimerais sortir en fait. Comment dire, ah, c'est le bon. 3 spino, what? Regarde, c'est ah, bon, l'attaque nous attendent. En bande enfoirée, va. C'est des spino, hein. Ah, bah, même. Non. Je crois que je vais rester derrière pour le T-Rex Alpha. Double T-Rex. Bah non, T-Rex. Je vous laisserai l'XP du T-Rex Alpha, je regarde. Ok, il avait des lances, du stuff. J'ai pris une masse level avec, putain. T'as vu la merde qui t'attaque? C'est quoi qui m'attaque? Dilo. Mais fous-moi le camp! Je suis occupé. Occupé, nom de Dieu. Ah, tu vois, c'est plus joli là pour montrer aux viewers plutôt que dans la forêt où on voit rien. C'était joli où on était, hein? On voyait que dalle. C'était très bien. Bah oui, on était sur une petite rivière au-dessus. Ouais. Bah nous aussi, il y a plein de carnivores, les gars, vous avez pas gueulé, on a fait un alpha. On peut passer par là, c'est pas un souci. Hein. Le Rex Alpha, ça va faire tellement de level. J'ai même pas pris un niveau avec Raptor Alpha. Sérieux? Tu l'as pas tué? Qui l'a tué? Non, c'est moi qui l'ai tué. Non, moi j'ai pris je sais pas combien de level. Ouais, mais alors, je vais aider Musa parce que là, Musa il a un max de trucs sur le. Ah oui, sur le dino, oui, mais pas sur le. Non, sur le dino, c'est le but, c'est de pex les dinos là. Sur toi, il faut le tuer pour prendre le train. Ah putain, pourquoi tu fusionnes dans moi quand j'ai un truc au cul? Bah oui, mais sinon j'allais l'attaquer, mais tu t'es arrêté. Mais nous en fait on est lent avec Musa, on attaque des petites bestioles, ils sont déjà loin les autres. Oh, je suis derrière Margri. Tu
suis posé, je suis au milieu de la flotte, moi. Ah si, je vois On a continué sur la flotte. Je vois deux Rex là-bas. Magri cherche à chasser. Le Rex Alpha, il va vous marave. On verra bien, c'est ça qui va être rigolo. En solo, je pense qu'il nous marave. Là, à plusieurs, si on tangue bien, qu'on fait gaffe, franchement, si on n'est pas tous à vouloir lui sauter dessus pour prendre le Pex, vu qu'on va le prendre. L'idée, c'est vraiment que ce soit le Rex de Magri qui prenne en premier. Pour tanker, et puis après qu'on le foule des glingues. Pour du défi, faire du gigano. Mais le gigano, en fait, à TAM, c'est un merdier pas possible. Il va falloir beaucoup de fléchettes qu'on n'a pas. Et à tuer, c'est de la merde aussi. Hein. Nos spinos, ils vont se faire tout shot. Il fait à peu près quoi? Il fait combien de dégâts? Beaucoup. Beaucoup trop. Bah parce qu'en beaucoup fait, une fois qu'il est TAM, il fait plus de dégâts, en fait. Il est nerf, comme c'est pas permis. Bah, il fait plus de dégâts, il en fait quand même. Mais... Si, il a 34 PV, le machin. Bah 30k PV, t'as le temps de taper avec. Bon après le problème c'est sa barre de rage. Bah, faut bien qu'à un moment donné un truc cheaté, il y a un problème. Faut prendre que des routes sûres. Bah déjà le Rex Alpha, on va voir combien il a de KPV, mais je pense que c'est assez haut. Ça dépend de son level encore une fois. T'avoue qu'on a pas trop regardé dans la situation dans laquelle on était hier. Surtout moi j'étais en train de miner pendant qu'il m'a dit danger. 30 000 HP le level 1, bah ouais, 1200 dégâts de base, c'est énorme. Mais par contre, c'est bien de faire des expéditions comme ça à plusieurs. Plus vous tuez, plus vous gagnez de level, au moins pour vos bêtes. Ça passe pas, mec, j'ai envie de sauver. Merde. Il meurt. Qu'est-ce qui m'a torporé? Il y a un truc qui m'a torpeur, là. C'est le discord. Tu tapes, t'as plus d'énergie. Il y a des scorpions. Ah bah, il fait un petit caca pour fêter ça. C'est quoi cette barre de rage? En fait, le giga, quand vous l'avez tamé, alors déjà, c'est lui qui décide quand vous le tamez. C'est pas un nombre de fléchettes, c'est, ça dépend de sa torpeur, ça dépend de beaucoup de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous l'avez à vous, bah, vous pouvez attaquer, etc. Sauf qu'à chaque fois qu'il va prendre du dommage, à chaque fois qu'il y a un truc qui va l'énerver, il y a la barre de rage qui va monter. Quand la barre de rage est à fond, il vous éjecte et il bute tout ce qu'il trouve. Donc si par exemple tu l'as ramené dans ton camp, c'est la merde. Est-ce que cette barre de rage, c'est une question, ça je sais pas, elle peut descendre? Oui. On verra, peut-être que lundi vous verrez un gigano. Peut-être que lundi il y aura du gigano. Faut monter là. Si on est chaud ce week-end, on se tente de tamer le gigano si on est chaud. Mais en gros ça veut dire que tu vas avec aucun carnivore, ou il reste loin, tu le tames et après tu le sécurises. On verra. Traverser la rivière. Je suis au niveau de là où on attame le Quetzal. On verra si on est chaud ce week-end, on fera peut-être ça. Pour descendre mieux pour vous. Ah, mais il y a des piranhas. Ouais, faut pas défoncer les piranhas. Ah, tapis là. Ah, faut couper en fait. C'est qui? C'est le Spino là-haut, c'est à qui? Ah, c'est à nous. C'est moi. Allez, va. Faut couper ici dans la forêt pour monter dessus. Allez, on fait une queue leuleux. Moi je termine, hein. Je suis la voiture balai. Je termine la queue leuleux. Tout le monde se suit, hein. Sinon on va encore se paumer. Et selon les giganos, ils ont une barre de rage plus ou moins importante. On verra, si on est chaud, c'est probable que dans le week-end, à un moment donné, on craque. Avec Oliver, Magri, Musa, on y aille en volant. On se pose, on l'endort, on prie beaucoup. Et puis lundi, vous verrez peut-être un giganosaure. On va pas le faire en live, y a pas d'intérêt. Il nous faudra peut-être plusieurs trails, il nous faudra... On verra ce que ça donne. Tu vas tam le dragon, il est pas accessible le dragon là, que en PVP. Non, pas dans notre version. Pas dans la version. C'est que dans la version en PVP, Hunger Games. Et tu peux voler avec? Oui. Putain, le convoi de l'extrême mon pote. On dirait la caravane du néolithique quoi. Bon, je vous rappelle qu'au niveau du planning, à partir de mardi prochain, donc lundi, vous aurez un dernier live Ark. Mardi, on passera sur Primal PC, le nouveau Far Cry. Et le mardi 8, on passera sur The Division. Et d'ailleurs, mardi prochain, le midi, on fera un live spécial Trishot, Musaren, Oro et moi-même sur Far Cry Primal. En mode, t'en es où, toi? Est-ce que t'es mort?
En mode difficile, par contre. Alors, j'ai regardé très peu de live dessus exprès, parce que j'ai pas envie de... Non pas de me spoil, parce qu'il n'y a pas d'histoire, soyons francs. Il n'y a pas d'histoire, mais je veux pas... Bon, il y a une histoire. Bah, comme dans ceci, dans les autres Far Cry, c'est juste que t'as tellement de trucs à faire, que possible de faire à côté que... Ça prévoyait beaucoup, et... beaucoup de narcos. Ouais, mais c'est ça. Quelqu'un sait s'ils ont fini le pont? Non. Non, non, on n'a pas fini le pont. Oh, oui, ils le savent. Pourquoi t'as reculé dans moi? J'avais la tête de mon dino dans ton cul. J'ai dû faire du tour, moi, en fait, devant. On était coincé dans les rochers. Il y a un petit gras dans le sable. Bah, tu le manges. T'attaque pas. Attends, c'est sérieux, c'est rocher. Vu comment t'es gros, il n'y a pas grand chose qui va t'attaquer en vrai. Moi, je suis coincé derrière les deux T-Rex. C'est-à-dire des handicapés de la montagne. Ils avancent pas aussi vite que nous, en fait. Bah, c'est surtout en fait qu'ils sont moins maniables. Je vous regarde faire. C'est à cause des rochers. La 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 la. Dis donc, toi, le raptor, je t'ai pas autorisé à chasser sur mon territoire, enfoiré. Voilà, techniquement, je crois que c'est toi qui es sur le sien. Bah, non, je viens de lui prouver l'inverse, il est mort. Ce n'est donc plus son territoire, je me le suis... Putain, mais on passe par des endroits, on a l'impression que vous avez balisé le terrain, les gars, là. Pourquoi? T'as les arbres qui tombent et tout, t'as vraiment mais l'impression... Pourquoi t'as mis mes sprint dessus, je suis coincé. Reculé. Alors, c'est... Crie un coup quand il t'énerve, Musa, n'hésite pas. Ah, il y aura une plaine, là. Le level 1, minimum 500 narco belgigo qu'on a vu, il est level quoi, 5? Je sais plus. Oh, J'ai pas trop regardé. Je ne préfère pas en parler. J'ai plus cherché à l'éloigner. T'imagines si là on tombe sur un autre? C'est oui, possible. Dans la zone où on est, c'est possible. Moi j'y vais. Hein. Je te jure que je fuis pas. Tout seul, hein. Moi, bah, pas sens, moi je vous défends. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment une personne qui veut l'XP. J'irai crever avec honneur. J'enverrai Dimorphodon. Dimorphodon, ouais. Tu m'as gris? Je te laisse passer devant. Ouais, j'attends. Non, mais j'attends. Est-ce qu'on est arrivé à la zone là? C'est pas trop loin. Je préfère qu'il passe devant parce qu'il a dû bouger le merdier. On l'a vu hier soir donc. Il y a un Carnot juste à droite de Musa, d'Oliver, mais qui s'en branle. Le Carnot il nous regarde en mode c'est pas moi, hein, j'ai rien fait. Hein. Et sur la tête de ma mère, moi juste je vais par là. Ouais, non, il n'y a plus qu'à suivre Magri. Donc, dans l'idée, quand on va tomber dessus, Magri va le tanker et nous on va essayer de se placer en cercle, hein, les gars. C'est pas trop grave si on a deux ou trois qui font le tour. Hein. C'est, il faut se placer en cercle autour. Je vais crever avec Honor. C'est qui Honor? C'est un nouveau joueur du serve? Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? J'aurais dû appeler mon Spino Honor. Comme ça, j'aurais pu dire je vais crever avec Honor. Et les bestiaux que t'as sur ton épaule, tu l'appelles Force. Ouais, Force et Honneur. J'ai crevé avec Force et Honneur. Bon, on n'est pas loin normalement. Il manque un cas dessus. C'est le dino, il a la trouille. Même les raptors s'en branlent. Mais ça, il est derrière moi là, gros. Quand tu balises la forêt, c'est con qu'il te donne pas le bois qui va avec. Devant, il est devant. Devant? Putain, en pleine forêt quoi. Ah oui. Bah oui. C'est là où j'ai miné la dernière fois. Non, je le vois pas. Attends, je monte mes gamins. Je peux t'assurer que j'ai vu l'aura. Attends, il faut attaquer par là. Il y a tout le monde derrière? Ouais, on est là. Vous êtes encore perdu? Non, on est là. Il y a tout le monde, t'inquiète pas. Non, je vais pas attaquer par des rats. T'inquiète pas. Bon, on arrive à l'alpha. Juste avant, si t'arrives à sans l'agro, de trouver son level. Tu vas pas devant là? Je commence à me mettre en formation. Level 7. Level 7. Ok, je le vois. J'envoie l'aura d'ici. Donc il y en a deux. Moi, je pars avec Oliver sur la droite. Laura Ingalls. Exactement. Nous, on part sur la droite. Oui, là, enfin, l'idée, ça serait d'aller le voir sur le bosquet, hein, parce que. Ok. Ouh la taille, bordel.
Vite t'as 3 prochains, il a gros. Là, il va gros. Il court très vite le. Magri, bah, tu lui fonces. Dès que toi t'es prêt, tu lui fonces dessus et on te rejoint. Ouais, tu me dis un top. Bah, top à la vachette quand tu veux. Bah, on est bon là, top à la vachette. Ok, top à la vachette. Eh, mais il est glitché. Non. T'appelais ça glitché, mon ami. Ah non, il est plus glitché. Comment vous êtes monté? Merde, je peux pas monter. Recule. Je vous le fais tomber, je crois. Il va tomber dans l'eau. Ah non, d'accord, en fait, je dis recule, mais en fait, c'est un T-Rex, un autre Rex qui. Il va tomber dans l'eau. Fallait pas le pousser. Allez, tu suis? Si tu suis, j'y vais. YOLO! Allez, YOLO! Je suis glitch. On est dans la zone 3 dans le plus. Ah, c'est pas grave. Faudrait le remonter en fait. Non, il peut rien faire là-dedans. Lui, il cherche à remonter pendant qu'on attaque. Il va mourir là. Oh, mais c'est con en fait. Il est beau en rouge comme ça. Tellement mort, je crois. Qui c'est qui est mort? Lui. Ah oui, lui, ouais, il va crever. Eh non, mais je suis dans l'eau, mais il y a genre masse de piranhas, quoi. Ça me perd la moitié de ma vie. J'arrive pas, je peux pas remonter. On est tous glitchés l'un dans l'autre, mais il a masse PV le bordel, hein. Ça, il se retourne, il combat. Il m'attaque à moi. Il va mourir. Bon bah ça, c'est fait. Oh, Magritor, t'as dû prendre non, max level. Oh là, on a tous glitch. Oh là. Oui, y'a personne qui a sauté. Bah, on a sauté. Toi, Michel, attends, on est tous emboîtés dans toi. Attends 2 secondes. Mais, j'essaye de vous... J'espère que vous avez pas mis Rexon dans l'enceinte, hein. Froide, là. T'as dû gagner masse level, Magritor. Je vais te dire ça. C'est ça qui l'a tué. Oh putain, je suis passé 112 avec le Spino. Alors. Je me remets en zone chaude, hein, par contre. Ouais, pareil. 2 level. Ah oui, c'est où la zone? Ah, c'est en face, la zone chaude. 2 level, ça va. On va repasser en zone chaude. Bon, ça a pas été trop dur, ce con, il a glitché. Je suis un peu déçu, j'aurais voulu un combat à la Loyane dans une plaine, tu vois. Bah, ici, une plaine. Bah oui, non mais voilà, mais j'aurais voulu un endroit un peu plus dégagé où on puisse, on n'est pas obligé de le glitch. Par contre, j'ai rien perdu en PV. Bah... Moi, il m'a attaqué. Moi, c'est moi qui ai pris un peu. Moi, j'ai perdu un peu. T'as pris? Ouais, un nouveau casque de Tricé. C'est le... Le Trix Skin. Pour le casque. On n'a pas eu le trophée. Si, j'ai eu... Non, on n'a pas eu le trophée. Je sais pas, j'ai eu le casque de squelette T-Rex et le casque de Trike. J'y vois rien du tout. Casque de T-Rex. Je sais pas où vous êtes. Bah, je suis en train de sortir de la zone froide. Moi, j'ai eu le casque. Mais je retourne sur de la... Moi, je suis avec Musa, là. Je sais pas où vous êtes. C'était le casque de ton dino. C'est plus sympa, la plage. On se rejoint quoi sur la plage? Au sud, là? Enfin, au sud. Juste en bas. Ah, juste en bas. Au nord. Bon, bah... Une belle cascade. Oh, on est passé. Ouais, magnifique cette cascade aussi. C'est joli ici. Ouais. Putain, c'est vachement beau ici. RP. Putain, avec la neige juste à côté. Voilà, oh là, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts. Bah, tu veux les coordonnées? Coordonnées, ouais, je fais ça de suite. Ouais, j'ai pris des dégâts de chute. 15,7, 44,3. Hey, j'ai pris des dégâts de chute. Oh, gars, je suis en sang. Bah oui, tu prends des dégâts de chute. Ah, je pensais qu'il n'y en avait pas, moi. Ah non, bah non, si, hein. Sinon le Gigano, il s'énerve pas. T'es sérieux toi, tu m'attaques, je vais te manger aussi. Ah oui, c'est pas con, je régène avec les Prime. Toi, on est sur la plage entre la limite froide et... Ah, y'a un T-Rex au-dessus. Oh ouais. RP. Ah, c'est celui d'hier encore, t'as vu? Oh, il est encore là. Oh, oui, les gamas. Le jour, il a baissé d'un coup, là. Ah, mais c'est lui, c'est le cousin de l'alpha. Ouais, c'est le cousin de l'alpha. Ils étaient tous les deux à un côté de l'autre, c'est ça. Quoi, ce cousin? Bah, j'ai buté un T-Rex là-haut pendant que vous étiez en train de défoncer l'alpha en bas. Ah, bah, il est descendu le T-Rex. Oh, moi j'ai sauté, hein. Bah, ouais, je sais pas, il faut sauter. Oh putain, Oliver est déjà sur le T-Rex, fais chier. Il va le manger. Non, tu vois, je te laisse, tu vois. Tan-lam. Tan-lam, tan-lam. Swing, 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 swing. Oh, bien, un coup de croc. C'est les dinos sauvages qui prennent pas de dégâts de chute. Ah oui, c'est probable, hein. Alors par contre, attends, je vais faire un peu le tri dans l'inventaire de mon bestiau, là, parce que... Oui, parce que hier, j'ai lâché un stego d'environ 300 mètres de haut. Dégage. Alors, j'ai Mass Prime. Ça, on s'en fout. Avec la tête de Trey. Ça, on s'en fout.
On s'en fout. Regarde, on pas. C'est con que tu puisses pas sélectionner plusieurs trucs dans un inventaire. Tu fais O. Tu survoles et tu fais O. On est magnifique. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait, moi? What? Ok. Ah oui, c'est débile. Ah oui, d'accord, c'est en train de me faire agresser. Bah après, le truc, il était bas level, hein. On était 5. Bah surtout qu'il était glitché. Ça, moi, ça... je veux faire plaisir à Alex. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On se dirige. Non. Vers l'île Ocarno, mais... allez. Tu sais, moi, je veux mourir avec... Vers l'île Ocarno. L'île Ocarno. Oui. L'île Ocarno. Ouais, les T-Rex ont un peu de mal, je pense qu'ils vont pas... Le truc, à force de le taper, c'est obligé qu'ils tombent en haut. Ils vont pas vouloir traverser, je pense, ouais. Ah, j'ai peut-être mourir avec en allant vers l'île Ocarno, nous nous dirigeons vers le Gigano. Allez, go. Ouais, c'est pas con, je lui donne les primes pour régène, c'est les joueurs qui me disent ça, mais j'ai beau lui donner à bouffer, il régène pas. Il va régène tout seul. Tu sais pas m'utiliser... Je fais tous les primes. Bah les primes, ça donne pas spécialement... C'est quoi le raccourci pour utiliser, c'est U? Non, y a pas de raccourci pour utiliser. Pas de raccourci, c'est... Mon dino, il a plus perdu du PV avec la chute qu'avec là. En même temps, 5500 PV. Moi, j'en ai 3000 déjà avec Pépère là. Ça régène pas ouf. Non, mais on va aller sur l'île Ocarno. Oh, ça, j'ai le temps de le régène, le Spino. Tu vas voir que c'est quand même assez triste. Hein. Et je suis à 3 quarts vie. Ouais, c'est l'île où tu es censé flipper et tu flippes pas des masses quoi. Bah avec ce qu'on a, on peut pas flipper. Bah si c'est une île au Carnot, si on trouve que des Carnot... Après si tu veux flipper, tu vas à pied à l'île au Carnot. Ouais. Pom 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 pom. Il y aura la pub de toute façon juste avant qu'on passe à l'île au Carnot ou même... Je sais pas si on en est loin là mais... Ouais un peu. Il y aura la pub avant, on la fera sur la plage, ça fera plaisir. Ça changera en traversée, ouais. Mais c'est vrai que dès que t'as un Spino ou un Rex, tu commences à envoyer du pâté, quoi. T'es pas aussi rapide que tu pourrais être avec un loup, avec un raptor, avec un machin, là. Le truc à 3, là. Et tu l'as fini de le tam, d'ailleurs, Auro, ou pas? Ouais. Ah, faudra qu'on teste ça. Ouais. Il y a aussi des giganos, parfois, à l'île au Carnot. Ça peut arriver, hein, il y a plusieurs spots. Il y a un drop rouge, là-bas. Moi, si vous voulez, je vous fais spop un Alpha Rex. Hein. Je mets une petite commande admin et on en refait un. Hein. Niveau 2000. Ah non, c'est... Ouais, c'est un drop rouge là-bas. Oui, mais on est loin. On est loin, oui. Quel niveau le rouge? 60. D'accord, 60. Les gars, est-ce que vous êtes joueur dans l'équipe? Si tu veux faire pop l'Alpha Rex pour qu'on recommence. Moi, ce que je peux vous proposer. En fin d'émission, c'est que si on n'a pas trouvé mieux que celui-là en termes de combat, on fasse un combat contre un Alpha Rex, que je fasse pop en admin. Je prends la commande admin, je fais pop l'Alpha Rex devant moi. Et je peux même choisir son level. Mais j'ai un level 100, tu sais. What the fuck, t'es un connard. Le son, il va nous défoncer. Ah bah oui. Moi, je suis partant. Moi, je sais pas ce qu'en pensent les viewers. On peut faire pop. Il faudrait que l'un de nous, ou Oro ou moi, passe en Oro, god. Le temps de le faire pop. Ouais. Après, il enlèvera son god. Parce que sinon, il va se faire one shot. Ça va pas être. Faut le faire à pied et pas en dinosaure. Hein. Sinon, tu vas fusionner avec ton dinosaure. Ça va être de la merde. Mais moi, je pense que ça peut être sympa. C'est pas RP, mais je pense qu'on peut se refaire un Alpha Rex dans une zone un peu sympa. Ouais, c'est dans une zone plate. Une zone plate. Il y en a un qui a essayé de faire sa pub pour son serveur. C'est fêté où? Ah, ça dit oui, vas-y Alex, Dodorex, Alex. Non, pas le Dodorex. Non, le truc il va nous cramer. Il va nous cramer, il va nous brûler. 4 level alpha, 60, mais... c'est pas trop mal. On verra, on va voir le level. On va réfléchir à ça, mais ça sera en fin d'émission. Si on n'en trouve pas un autre naturellement, on en fera un en fin d'émission. Level 100, tout le monde part sauf Alex. Ah, ça dit enlève le mode God, il risquerait de s'étouffer. Ah, mais non, c'est le retour du cucurbitacé, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Comment ça se fait qu'il y a des bonus? Oh, il y a deux scorpions qui essaient d'endormir une tortue. 3, à l'attaque! Laissez la tortue tranquille! Il me torpeur! Laissez la tortue tranquille, t'as tué la tortue d'abord. Hein. Ouais, je. Maintenant, je mange du sable pour éliminer la torpeur.
De toute façon, la commande du Dodorex ne marche plus. Je suis pas sûr. Si t'as les bonnes commandes, ça passe. Hein. Il est toujours imbriqué dans le jeu, le Dodorex. C'est juste... il est intégré pour les Halloween. Là, c'est surtout qu'il est intégré pour Halloween et pour ceux qui l'ont encore, quoi. Oui. Oui, donc si la commande fonctionne sans problème, faut juste savoir les faire pop au blueprint en fait. Un giga level 1 pour la fin. Non. Non plus. Ah, enfin, si vous voulez, hein. Le truc il a 5 APV, tu sais. Si tu veux, Alex, à main nue. Mais non, pas à main nue. Oh. En armure de fer. Mais les gars, on a dit que toutes les deux semaines, on n'a pas trouvé de difficulté. Vous voulez pas qu'on rigole un peu là? Avec un gourdin. Moi je me suis marré pendant deux semaines. Ouais, on a rigolé. J'ai pas envie de pleurer pendant toute ma vie après parce que j'aurais perdu. Un Spino level 100 et des bananes. Ouais. C'est en face, Locarno? Ouais. Bon, magnifique, il y aura la pub juste avant, c'est l'heure. Avec le petit lever de soleil. Ouais, c'est pour ça que je repasse en gamma 2. De... Sinon ça va dire gamma. On va pas être loin de la base, tu sais où on était. Dans la Il fait pop 100, dodo level 100 et celui qu'on bouffe le plus a gagné. Ouais, il va falloir compter. C'est pour compter, ça va être chiant. Alors, tu mets un timer, tu mets 100 dodo dans un enclos, c'est celui qui les bouffe le plus vite, tu sais, tu mets un... Spark. Bon, vous avez combien de pourcentage hein les dégâts de mêlée. En dégâts de mêlée, je suis à 266. Toi, je sais que t'as plus de 300 quasiment. Non, vous êtes gentil, mais moi, avec ma grille, on va pas jusqu'au truc. Hein. Non, mais nous, on va y aller pour montrer l'îlot Raptor. Oui. On fait un pont. Mais vas-y, pendant la pub. Mais par contre, peut-être que pendant la pub, avec ce qu'on a dans le ventre des bestiaux, tu peux peut-être faire un radeau. Un radeau non. Un bateau. On récupère pas de bois. Non, il y a pas de bois. Cuisine, pierre, fabrication, branchage. Attends. Il est dans quoi le bateau d'hiver? Bateau. 250 bois, voilà, bah là ça va vite. Ah, c'est les 125 fibres qui vont être chiants. Ouais, bon, bref. Bon, ils sont chauds pour rien. Bon, on fera déjà un alpha, un Rex alpha juste avant la fin de l'émission. Ça, c'est promis. On en fera pop 1, ça nous fera du plaisir. Voir si Euro est joueur, il en fera pop 2 d'un coup. On va commencer à faire arrête tes conneries, nom de Dieu. Si je misclique, ça pourrait être. Si tu misclique, c'est possible aussi. Ou alors, j'ai peut-être une idée. On prend pas des très gros levels, mais Oro, tu fais pop à la filée pour le spectacle, pour The Show Must Go On. En fin d'émission, tu nous feras pop des levels style, je sais pas, 30. Mais un Alpha Rex, un Alpha Raptor et un Alpha Carno à la filée. Vous les faites les trois en même temps. Ou alors on commence par le plus petit, on fait un Alpha Raptor suivi d'un Alpha Carno suivi d'un Alpha Rex. Voilà. Ça peut le faire aussi. Bon, écoutez, on verra ça juste après la pub, on va en parler. Mais on va vous faire un truc, hein. Même si lundi, ce sera sûrement du what the fuck sur une map où il n'y a rien dessus, en commande admin, en mode. Oh, quoique, on verra. Je sais pas, on aura peut-être entre temps le Mosozor, etc. On verra, je pense que ce sera peut-être la suite du what the fuck. Mais là, déjà, on finira aujourd'hui, le vendredi avant le week-end, en what the fuck, ne quittez pas. 5 minutes de pub, on revient juste après, mesdames et messieurs. Don't worry, be happy, don't panic, be Monique. On arrive, à tout de suite. Il est 13h29 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Musaren, d'Oro, de Maguito, d'Oliver Statan et nous sommes sur nos Spinorex. Un mélange entre les Spinosaures et les Rex. Oui, c'est parce qu'on a pris des deux, c'est vachement bien. Vous êtes toujours c'est ton retweet qui est magnifique, Musaren. On est toujours à la chaîne, sur ton droit du lecteur, n'hésitez pas à le rejoindre, vous êtes plus de 1600 avec nous, et bah bienvenue tranquillement ce vendredi juste avant le week-end, hein, pour ceux qui sont au week-end, le samedi, dimanche, hein, ceux qui bossent, bah bon courage à vous. Et pendant ce temps-là, oui, sur le chat, sur le Twitter, pardon, que s'est-il passé, une image magnifique avec ma tête et celle d'Euro, venez découvrir l'île aux dinosaures avec Alex Click. Et dinosaure, D-I-N-O-2-S-A-U-R-E-S. Il y a eu un problème. Posé, mal foutu. Donc Musaren a mis au secours Becherel FR. Voilà, forcément, merci à vous, Musaren. C'est Killer qui nous envoie ça et qui a peut-être eu des petits problème avec l'orthographe Killer. On t'enverra chez toi le Becherel, le numéro 122, à destination des jeunes viewers. Bon, on y va. Lilo, il est en face. Vous restez là, Musa Magri. Vite fait, on va juste voir à quoi ça ressemble. Ça a pas l'air grand. Hein. Ouais, je regarde sur le retour. C'est ça, il a fait un coup de clic droit. Et après, il fait non, oh, t'énerve pas, Oliver, t'énerve pas. Et non, en fait, c'était pour revenir sur la fenêtre du jeu. Soit je faisais clic gauche et je te croquais, soit je faisais clic droit et. Je sais pas si ça me suit derrière.
Je suis dans l'eau, il me dit vous avez chaud, rafraîchissez-vous. Non mais tout va bien. Oui, parce que toi t'es pas dans l'eau, ton perso. Bah si, il est dans l'eau mon perso, Michel. Quand tu vas dans l'eau, t'as pas... Bon. Pas bon, chaud. Mais bah ça sent le danger, cette île. Je l'appelle l'île requin, c'est tout. On est venu, on a voulu. C'est sympa de faire une maison ici. Je vais prendre des requins. Il y a une grotte ici aussi. Ah, il y a une grotte. Oui. Je voulais y aller. Hein. Ouais, non, celle-là, on va pas la faire. Au pire, on fera une grotte tout à l'heure, mais pas celle-là. Mais tu vois, c'est vide. Hein. Mais c'est vide. Ils sont où les. Ah, si, il y a un T-Rex là. Où ça? Là-bas derrière. Sur l'île. Il est au Carno, il y a un T-Rex. Vite, il y a un T-Rex. Tous sur le T-Rex. Là, c'est bleu au carnivore. T'imagines? Ah, il est beau en plus. Poussez-vous, j'arrive. Toi contre moi. Et contre les oiseaux là, parce qu'ils vont me faire chier, je le sens. Mangeons le T-Rex. Mangeons le T-Rex. Mangeons le T-Rex. Mangeons le T-Rex. J'ai pas osé taper. J'ai le droit de taper. Moi aussi, je vais me faire. Putain, mais y'a rien sur cette île, on pourrait y foutre notre baraque, eh. T'as un tigre à dents de sabre au cul, hein. Je me permets, je te croque le cul. Hein. Ouais, j'aime bien. Ah oui, ah bah viens là, c'est les préliminaires, venez là. Ah merde, on a deux mâles. Ah bah voilà, là-haut. Ah mais non, c'est Oro, putain. Mais il est au Carno, y'a zéro Carno. Y'a un Carno là-haut. Non mais c'est Didier Island de la base. Ouais, c'est Didier Island. C'est une île au carnivore. Ouais. Il est avec les zombies. Oh là là, vite, il est tout seul. Oui, avec les zombies. Allons-y, je suis à fond. Ah, y'a deux Carnos. Oh là là, c'est la fête. Y'a une grotte, tu veux y aller? Passe devant, sachant je te rejoins. La grotte descend de plus de 100 mètres. Oh, plus de 5000 ans, non. Bon, je te bouffe le cul. Hein. Vas-y, bouffe-moi le cul. Non mais fais-toi plaisir, bouffe-moi le cul. On avance et bon, vu que c'est l'île aux prédateurs, hein, on se fait plaisir. On éclate tout ce qu'on trouve. Pas... Spino. Le fun est présent. Un Spino, tuons-le. C'est Oro, on s'en fout. Il nous faut de l'action. Ouais, dans la grotte, si tu peux y rentrer. Hein. Alex, faites gaffe aux concombres. Non, non, mais laissez-moi tranquille avec les concombres. Ah, c'est fini les news, hein. Je vous en donnerai plus. Ah, y'a rien, jaune. C'est bien, je vais aller voir. Un jaune. Ouais, 55. T'as la grotte ici, si tu veux, Alex. Ouais, bah vas-y, passe devant. Tu veux qu'on aille la voir, vite fait? Non, ça va aller, moi je sais à quoi elle ressemble. C'est froid. Vous allez avoir très froid déjà. Ouais, non, c'est pas. La grotte c'est une des plus hautes. Bah, théoriquement elle descend très bas. Donc... Ouais. Pardon. Ok, Magritte, excusez-moi, je me permets. Est-ce que vous avez moyen de fermer votre gueule? Tandis que certains joueurs, c'est Mikao qui nous dit ça sur le Twitter, comme Alex Click, moi je fais un inventaire. Je fais un inventaire, un fait chier à cause de bugs. Oh nom de Dieu, non mais oh, j'en peux plus moi de vous. Hein. La minute bécherel le retour, je vais trouver mon bécherel. Hein. C'est sûr. Hein. Dès lundi, c'est tous les cartons qui c'est le retour. Hein. L'info disparaîtra au profit du bécherel. Quoi qu'on peut-être faire les deux. Go la grotte, non, vous êtes des malades, je vais pas moi dans la grotte. Oh j'ai un GPS. Je suis pas complètement con. Ah, on pourra mieux se retrouver. Je vais pas de GPS, ouais. Vous avez traversé sur l'autre flanc de plage ou pas? Ouais, ah ouais. On est par là où on est arrivé en fait. Bah en fait, Alex disait qu'il n'y a pas de fun, du coup je suis allé chercher le fun. T'allais chercher quoi? Ah, tu l'as? J'ai cherché le giga quoi, mais non. T'as le fun? Je retraverse. Non, pas encore. Attends, j'arrive. Mais tu l'as trouvé ou pas? Là-bas, tu vois, devant en face là, tout droit là, t'y vas, il est. Tu vois là où je vais? Je sais exactement où je l'ai mis. Moi j'y vais. Hein. Alex, il va tout droit là-bas. Tu sautes à l'eau, tu vas tout droit. Moi j'y vais, les petits joueurs là, on se le tente, allez, putain. Tu vois là-bas où ça fait l'embranchement où il y a. Non, je me tente zéro. Dans la terre là-bas. Il m'a tenté une fois. Oh là là. Mais on y va! On les met en mode attaque, on tire des balles, on l'endort, on lui met un suppôt. On s'endort. On lui met un suppôt. Je sais lui mettre un suppôt si tu veux. Je récupère un œuf s'il y en a un. Si je lui dis que je suis vétérinaire, ça doit passer. Je fais que ma gueule. Giga. Tu l'as trouvé le giga? Non. Je fais des cris. Je sais pas où vous êtes en fait. Normalement, on est juste en face. Sur le... Là, sur le continent. Coucou Oliver. Coucou. Attends, je régène Nandu au cas où. Au cas où il doit quoi sprinter. Oh, de toute façon, j'abandonne la bête. Hein.
J'abandonne la bête. Eh, hey, t'abandonnes pas Rexona. T'es un malade. À la vie, à la mort, mon pote. Je t'assure que je t'attache et tu peux plus jamais jouer. Hein. Je te mets les menottes. Mais dans une boîte. Mais il est là. Il est là. Attends, c'est pas lui là. Mais tu vois pas les pattes, mon pote, dans la forêt là. Les pattes dans la forêt. Je sais pas où vous êtes en fait. Tu vois, je vais tomber nez à nez avec lui tout seul. Non, c'est un Rex. De quoi? Je sais pas où vous êtes en fait. Bah, lui, il est vers moi derrière. Et t'es à côté derrière toi? Hein? À ta gauche, Alex. À ma gauche. Mon Spino, il regarde. Je la place, voilà. Là. Attends, j'arrive. Je crois que c'est un Rex, je sais pas. Franchement, moi je dis que les viewers, ils voudraient voir du spectacle. Hein. Ouais. Attends. Ils sont quasiment aussi, 2000 à vouloir voir du spectacle. Si on peut non, plus c'est les rediffs. Plus lui, la rediff, plus la rediff, moi je dis. Vous êtes où? Bah non, mais mec, on est où? Moi je me barre. Mais non, mais oh là 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 là, les petits caleçons. Je peux pas y aller tout seul, je vais me faire roper, je vais me faire ouvrir tout seul. T'es sûr que c'est lui? Oui, c'est lui, j'ai la longue vue, ça m'a dit Giga, level 5. Longue vue. Ah, level 5. Ouais, Giga, level 5. Oh. Mais vous êtes. Vous avez longé la rivière à gauche, Alex, tu vois? Enfin, c'est ça. Oliver, tu le vois? Il a des glitches. Ah, Rexona va mourir. Il a abandonné la bête. T'as pas abandonné Rexona quand même? Oh, il tue. Ah non. Non. T'as pas fait ça? T'as abandonné Rexona? Moi je viens, je sais pas où vous êtes, mais à la rescousse, j'arrive. J'arrive à la rescousse. C'est bon, il t'a lâché. J'y vais à la frontale, moi, j'en ai rien à foutre. Mais viens, ramène-toi, petite bite. On y va. Moi, petit. Ok. Moi, mais non, pas toi, je parle là-haut. Non, t'as dit moi, petit. Mais non. Non, pas Rexona. Mais vous êtes où? Mais attendez qu'on soit là. On est en bas de la montagne. Là, je vois. En bas de la montagne. On est sur la terre ferme. Ouais, mais nous, on est à l'encablure. On est à l'encablure. Foncez tout droit de l'encablure. Défonce le mégalodon. Vers la maison des autres ou vers les terres? Vers tu longes la mer. Longe la plage vers la maison des autres. Ok, bah là-bas. Prenez pas le lac. Hein. Le mégalodon. Je sais pas où on va, mais on y va, les gars. Si, c'est derrière moi. Suivez-moi. Tu veux du beau jeu? Non, mais moi, viens, on y va, Magritor. Vas-y, ça va, t'as mis des spinos, on a fait ça en boucle quand j'en ai perdu un, quand vous en avez voulu des nouveaux, ça va. Enfin, moi j'ai jamais perdu de spinos. On y va. Avec des moustiques. On se la donne. Les gars. Alex, il meurt déjà quand des dilos, il va aller. Mais ta gueule, on se la donne. Il y a le chat qui demande de la mort. Mais oui. Va pas. Run for life. Ah, moi je suis tenté, hein. Je sais pas où vous êtes en fait, putain j'ai perdu tout le monde. Je suis tenté zéro mon pote, il va mettre deux crocs, il y aura plus personne. Je sais pas où je suis moi. Les mecs sont en train de retourner à la maison. Et moi je sais pas où je suis en fait. De la maison. Moi je suis avec Oro. Bah tu longes la plage en fait. Lilo Carnot en visu. Bah oui. Lilo Carnot. Attends, t'as un GPS sur moi. Non mais moi je suis tout seul en fait. 24-4. Il m'a dit c'est par là et j'ai... Bah oui. Ouais Alex, quand t'es parti à... Alors 5... Quand t'as longé la plage, ouais. En partant sur la gauche, en fait, c'est fallait aller sur l'autre plage en face et continuer. Bah, on vous voit, voilà, vous êtes là, c'est bien ce que je dis. Oui. Bah, ouais. Je vois c'est pile au sud de l'île Carnot. Il s'est perdu. Il est où, Alex? Attends, je vais regarder. C'est quoi ça? C'est un Rex? Bonjour, ça va? Ah, mais Alex, en fait, Alex, il se balade carrément dans la montagne. Alex, ah non, il va pas dans la montagne. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'attaque ou pas l'attaque là? Ah oui, Alex, ensemble. C'est un Giga ou c'est un Carnot? Ah non, c'est un Rex. Meurs. Salaud. Je veux bien y aller, mais ensemble. En fait. Mais vous êtes où? Mais oui, mais je vois pas où. Non, on est sur la plage. Nous avance plus. Hein. Pourquoi il y a le bruit de. Bizarre, il fonce, c'est des choses, salut. Mais je le vois pas, hein. Bah, il est là. T'inquiète pas qu'il est là. Si on te dit qu'il est là. Je vais tomber l'année avec le truc en revenant sur la plage, moi ça va pas être triste, je te le dis tout de suite. Il est remonté un peu dans le terre. Ah non, il est là, il est sur la plage. Mais carrément. Ouais, il est dans la montagne. Non, il est sur la plage, le truc là. Mais non, je parle d'Alex. Ah ouais. Il fait un petit camping là, il a trouvé. Mais là, je suis sur une plage là. Ouais. Vous avez l'île Carnot en visu donc. C'est une plage ou c'est une. Ou c'est la rivière? Non, c'est une plage, rivière, c'est pas la rivière. Je fais attends, demi-tour. Je sais pas. Ah, je vois quelqu'un là, l'un de vous. Ok. Je sais pêche. Vous voulez vraiment non. Mais si. Oliver, nom de Dieu. Moi j'y vais. Mais on y va tous ensemble. À la vie, à la mort, Michel. Si tu veux, tu nous regardes, Oliver. Mais non, tu viens attaquer. Non, mais non. Mais tais-toi, on y va tous là. Ah non, mais j'ai pas envie. Mais quel est l'intérêt? Mais j'ai pas. Ah là 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 là. Mais Oliver, je comprends pourquoi il veut pas, mais j'y vais. J'ai tenté une fois déjà. Pour montrer au chat mon style de pro gamer. Tu vas te faire OS pro gamer. J'espère tout chouette.
Je suis déçu. Oh, je suis déçu. Ah oui, ça y est, je le vois là-bas. Ouais, c'est vraiment, c'est oui. Bon, tu me dis quand t'as raison, mon dieu. Il a le goût de la plage, le truc. Ouais, oui, mais il a l'agro à l'autre bout de la plage. Je le vois pas, moi. Je sais pas où il est. Bah attends, régène, tu me dis quand t'as régène et après... Bon, bah attends, attends. Putain, on va mourir. Mais avec Macri, on y va qu'à deux. Vous voulez pas... Vous vous restez là au sniper, je sais pas, aidez-nous. Quelque chose, là, au Oliver, là. Ils vont nous regarder dans l'eau, en fait. Moi, je viens, si je vois que ça se passe mal, je fais demi-tour et je sprint. Ok. Déjà un petit peu couillu. Ok, mais courez pas, courez pas, on va perdre de l'indu. Il faut pas courir. Faites gaffe, c'est bon. Derrière les armes à ta droite, léger, Marie. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Je crois qu'il y a une bonne rien que pour vous, 13h41. TV, attends, j'ai des on y va, on le tente. On le tente. Juste en fait, c'est lui qui est en train de nous chasser en vrai. De l'entour dans les armes. Là, à ta droite. Je vois pas. Hein. Oui, au-dessus, un peu au-dessus. C'est pas à ta droite. Il est à 30 mètres de toi là. Putain, il va m'arriver. Il va m'arriver sur moi, il va me croquer. Mais il est pourri, chier, mon digne. Je vais dans l'eau, hein. De toute façon, je partirai plus vite dans l'eau. Hein. Vous êtes prêts? Moi, je suis. Attends, je sais pas, je suis trop loin. Putain, Musa, il est chaud, Musa, où le faux départ? C'est trop tard, il arrive. Je l'ai aggro. À l'attaque! YOLO! C'est moi qui l'ai aggro, ouais. J'ai tiré une flèche. Oh putain, il me fait mal! Je suis mort! Ah, je suis quasiment mort! Oh putain, je me casse. Ah putain! Bon, les gars, barrez-vous! Je vais mourir! Abandonnez-moi! Je vais crever! À la mer. Ah, je vais crever! Ah! Oh putain! Kamal! Oh non! Attends, Oliver, on est coincé! Ça c'est fait! Magri, court! Le seul, ça dit la seule créature à pouvoir, mais vous le vouliez, vous l'avez eu! Oliver! T'inquiète! La seule créature à pouvoir tuer quasiment un giga, c'est un Quetzal en mode vol avec la plateforme et plein de tourelles. Oui, ah bah là. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir rentrer à la maison plus vite que prévu. Je vais chercher ton staff. Bien sûr, le pro gamer est en vie. Toi, t'es en vie encore? Putain, moi j'étais là en fait, je me suis pas barré en disant non, tu peux pas te barrer, tu dois les aider. Mais il m'a. Deux coups de croc, il m'a tombé. En fait, il met un dot. Il met un dot. Il fait des dégâts de zone en plus. Ah ouais, non, il met il dot, il fait tout le merdien. Il m'a mis un dot. Ah la vache. Ouais, la morsure là. Oh le rip. Mais il fallait qu'on le tente, les gars. Oui, fallait... Bah comme ça, non, en fait, c'est qu'il est bientôt mort ou il a même pas commencé à saigner, je crois, le truc. Je crois que non, il a pas... C'est pour juste parce que vous disiez easy, allez le tuer, etc. Oui. On voulait vous montrer que... Enfin, je vais pas y prendre une importance dingue d'avoir perdu mon spino, clairement, je l'ai en sa main. C'est pour montrer aux gens qui disent « Oh, mais c'est en easy. » Juste, je voulais vous montrer. Bon, alors par contre, de ce fait-là, vu que vous avez insisté pour ça, les viewers, vous aurez pas l'autre Alpharex. C'est baisé. Là, vous imaginez bien qu'on a fait le giga, donc on a plus rien. Bon, tu veux rigoler? Non, je veux pas rigoler. Ah, tu veux lui mettre une balle de fusil? Vas-y. J'ai perdu. Attends, moi je suis encore. Putain, moi j'ai tout perdu. Hein. J'ai tout perdu. Tout mon stuff. J'ai tout perdu. Et qui a perdu? Qui a perdu ses Spino? Moi j'ai perdu Spino, stuff. Tout. Alex, Musa et toi, non? Non, moi j'ai rien perdu. T'as perdu ton. Eric Sona? Ah, d'accord. Non. Je voulais me chercher dans l'eau. Maurice, t'es. C'est régène. T'es sérieux? Tu t'es barré avec Eric Sona? Mais j'ai fait régène. Mais quelle enflure. Franchement, moi je suis resté jusqu'au bout pour vous aider. J'ai essayé de. Franchement, j'aurais pu me barrer 20 fois. J'étais glitché, non? Oh là là. Enflure à patate, enflure à saucisse. Donc en fait, bah y'a que moi qui ai perdu mon spino. Non, y'a. T'as perdu Rennes, Musa? Non, j'ai perdu mon T-Rex aussi. Et t'es mort? Ouais. Ah oui, d'accord, je suis pas tout seul. Attends, j'ai vu masse rouge s'afficher, il me semblait qu'il y avait plus de personnes que ça. Il y a les Dimorphodons qui sont morts. Ouais. Eddie Morphodon et Rip, mais bon. Dimorphodon est décédé. J'ai envie de te dire qu'Eddie, bon. Aussi. Oui, c'est vrai qu'on a la liste. Ah, mais là, il est quand même. Là, il arrive sur moi. Oula. T'es où, Magali? Par contre, il est proche, très proche. Moi, je fuis. Moi, du camp des autres, ouais. Du camp de. Ouais. Bah, éviter de le ramener vers. Ah non, on le ramène pas, nous on s'est barré, on n'a pas pris d'agro. Non. Récupérer le stuff, oui. Oui, bah oui, on va aller sur ses pieds, on va dire excuse-moi. Non, les gars, c'est pour ça que je suis clairement en train de me refaire un stuff là. C'est ce qu'on s'est dit, on va aller sous ses pieds chercher les sacs, quoi. Excusez-moi, monsieur, mon ami a laissé quelque chose ici, peut-on le récupérer gentiment? Il a fait tomber son portable en passant tout à l'heure. Mais tu sais quoi, la prochaine fois, qui c'est qui est mort? C'est POS. Mais t'es revenu où sur lui? T'étais pas mort, Musa? Si, je suis retourné, je suis là-haut.
Ah oui, t'as Pop à côté. D'accord. Ah non, moi j'ai Pop à la maison. Mais putain, mais et moi je suis resté derrière pendant que j'ai vu Oliver et Euro faire. Oula, oula, dangereux, on se casse. Non, bah, Magri qui était en train de dire au secours, je vais mourir. J'arrive pour reprendre un peu d'aggro, tu sais, en disant vas-y, franchement, vas-y, lâche-le, lâche-le. Lui, pendant ce temps, la Craigsonnet s'est barré en mode rien à foutre des copains. Musa et moi, on est restés, on est morts. Et l'autre, il fait ah non, moi j'ai rien perdu. Attends. Putain, les porteurs craquent. Attends, on voit enfin, qui a les coronets, qui les a pas. Non, mais j'ai fui jusqu'au bout. J'ai fui, tu m'as dit, faut pas tuer Rexona. Du coup, j'ai fui. Bateau et baliste. Si tu as. Si tu as. Non, 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 le truc est là, ça nage. Si t'as 400 balles, Alex, et de quoi me crafter deux tourelles, si tu veux, on fait mon Staton Bot de guerre. Moi je dis, messieurs, j'ai envie de vous proposer quelque chose. J'ai envie de vous proposer quelque chose de sympathique. Est-ce que plutôt que de faire du what the fuck, lundi, on préparerait pas pour lundi, pas forcément le un Quetzal, c'est pas possible vu la selle, on n'aura jamais le level. Mais est-ce qu'on préparerait pas le Staton Bot de guerre pour lundi? Mais il va se faire one shot. Le Staton Bot de guerre. Mais non, dans l'eau. Il va falloir qu'il nage le truc. On aggro le truc jusqu'à la plage et à partir de là, on prévoit 800 balles, une baliste, enfin deux balises, deux tourelles automatiques et c'est parti. Je fais bien le tatatatata. Bah, dans ce cas, faut qu'il. Il va falloir faire de la pilote, il pilote en permanent. Ah oui, oui, le pilote, il fait piloter quoi. Et t'as deux mecs à la baliste, deux mitraillettes, et puis c'est parti mon kiki quoi. On fait ça, on sauter. Et un qui est dans les airs, qui vient l'aggro. Tu vois, qui vient l'aggro et qui le ramène sur la plage. On fait un cuirassé quoi. On fait un cuirassé quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ouais. Mm-hmm. Au pire, on fait des fondations en métal. Le bateau il se fait ouest et on perd. Ouais, c'est ça le truc, c'est que le bateau il est en bois. Hein. Ouais, ouais, le bateau c'est ça. Alors par contre, il faut que le pilote soit pas trop con. Qu'il voit comment ça s'écrit Staton, parce que. Bah, Staton quoi. Bah, on voit Satan. Le Staton Bot, Staton, ils ont mis. J'ai mis mon joueur parce que Staton, non, je vends pas des pantoufles. Hein. Si il va manger de la poudre à canon, il n'a plus. Attends, t'es pas sérieux, on a de la poudre à canon. Non, mais il en faut des milliers. Il en faut des milliers. Ah, pour oui, ce week-end on va devoir farm quoi. Oh putain. Ah ouais, non mais là en plus y'a plus rien à la maison. Y'a quelqu'un qui est venu dans les coffres. Oh putain. Non mais en fait non, c'est que ces coffres là sont jamais remplis. On a pris tout pour le pont. Ouais bah oui, le ciment, t'as pris le ciment pour le pont. Bah le ciment non, mais le ciment on en a jamais eu. Pour la selle du Quetzal, on a été. Y'a eu 6 ciments au maximum dans ce truc. Parce que tu peux le crafter le ciment. Bah oui. Kitine pierre. Mais le truc c'est que. Non, de la poudre à canon, il me faut, pardon. Je dis des conneries, c'est de la poudre à canon qu'il me faut. Je sais pas pourquoi j'ai plus de silex. Pourquoi j'ai plus de silex? Tu te fous de moi ou quoi? Les coffres déjà ils ressemblent à rien mais. Mais parce que vous en avez peut-être fait pour votre frigo. C'est mais probable. Voilà. Bah surtout que le frigo il y a tout qui est mort. Ah merde! Il y a des jours comme ça. Bon bah je vais me faire 4 balles. Bon, on arrive à la maison avec Oliver. Ouais, peut-être vraiment largement. Ouais. Alors munitions, il va me manquer de la poudre à canon. Bon bah je vais aller farmer un peu ça. Je vais, façon, il va falloir farmer là, comme des porcs. Limite, en fait, ouais, faudrait aller farmer. Alors, combien qu'il ça va... fait de dégâts une roquette? Que dalle, en fait. C'est par rapport à ce que ça coûte, c'est non, pas non, top. C'est trop cher. Donc, en gros, il va nous falloir un bateau. Ce bateau. Oh mon bateau. Oh, oh. On a le bateau. On a le bateau. Ce bateau, on va lui mettre des plateformes en fer. Oui. On s'en fout, en fer, en bois, le bateau il se fait ouest. Hein. Non, on fait un cuirassé, ouais, on fait non, des non, plateformes mais, en fer, Maurice. Le fer, moi je l'économise pour les munitions. Ouais, c'est pas con. En pierre. T'inquiète, je fais. En pierre. Ouais, donc non, on fait une grosse plateforme en pierre. Oui, alors je sais pas si on l'a surélève ou pas, je suis en train de réfléchir. Dessus, faut qu'on cale au moins une, voire deux balistes. Enfin, une plutôt. Une baliste, deux mitraillettes auto et des tireurs. Mitraillette auto, ça fait la taille de baliste. Oui, oui, c'est aussi gros. Hein. Il va falloir. Ouais, donc, vaut mieux deux mitraillettes auto ou. Mitraillette auto, baliste, ça. Bah déjà, ça arrivera jamais à caler les balises. Non. Déjà, il faut arriver à le toucher. Quoi, voilà. Alors que mitraillette auto, t'es obligé de le toucher. Hein. Ouais, donc, vaut mieux mettre deux mitraillettes auto dessus. Bah, sinon, tu mets. Les mettre deux balises, deux mitraillettes, tu mets trois mitraillettes. Si on est quatre, ça fait déjà trois tireurs. Hein. Ah non, mais les mitraillettes auto, elles tirent toutes seules. Ah oui, mais je croyais que. Non, je croyais qu'on parlait des mitraillettes. Ah non, on les a pas encore, celles-là. On peut pas dire, ok. D'accord, je pense que c'est mitraillettes auto. Non, mitraillettes auto, c'est tout petit. Hein. De l'auto-auto.
On va caler, on va caler masse mitraille. Je crois que tu parlais de c'est le millimètre, c'est comme la baliste, mais. Non. Alors attends, j'aimerais créer un minigun. Je sais plus où c'est. Faut que je l'apprenne en fait. La balise, je l'ai pas appris. Tourelle catapulte. Une tourelle catapulte. Bonjour. On n'arrivera jamais à le toucher avec ça. Non. Il va nous falloir ça. Mais je pense que ça peut être un bel objectif pour finir lundi. Il faut tomber un giga. Il faut qu'on se mette. Moi, je vais reprendre sûrement un bestio, etc. plus tard. Mais il faut tomber un giga. Là, moi, je. Mais bon, pas... pose la question dans le chat. Il est où ton Spino? Il est parti à la piscine. Il a. En fait, c'est. Il s'est passé, je te fais un résumé. Eh, viens, Alex Click. Eh, les gars, on a des couilles ou on en a pas? On se fait un giga. C'est ok. Vous vous souvenez qu'on venait de faire un Alpharex et tout ça? Les gars, ouais, on est moyen non, chaud. On y va, Magritor, tu vas voir si je suis une petite bite. Magritor part. Magritor crie au secours, je crois que je vais mourir. Alex Click dit ne panique pas, Magri, tu es mon ami, mon frère, on habite ensemble. Y a l'attaque. Magritor, pendant ce temps-là, vite dans la forêt, je me casse. Alex, t'en es où? Bah, t'es où, toi? Je suis mort. Ah merde, voilà. Donc, Spinosaurus, Alex Clickus, Morus. Ainsi qu'Alex Licus aussi, Magritorus, toujours en vieux, en culus. Par contre, pour le bateau, c'est pas bête de mettre Plantix pour Valentin. Ah, une Plantix, ouais, ça peut être pas mal. Donc, ça veut dire le bateau, il faut le travailler en face, sur la truc d'en face. Alors, tourelle auto, il va falloir que je fasse fusil d'assaut avant. Je m'occupe des tourelles auto, les gars. Plutôt que vous cramiez des points pour rien, j'en ai d'avance. Ouais, j'ai eu la tourelle auto. Hein. Tu l'as déjà? Oui. Enfin, moi, j'ai le craft. Hein. Ouais. Bah je me demande si je vais pas le faire aussi parce que ça m'intéresse le fusil d'assaut. Franchement pour le giga là... En même temps t'as 330 points, t'as pas fait. Le fusil d'assaut ça consomme trop de balles pour les dégâts que ça fait. Il est où le fusil d'assaut? Ou les avions? Bon alors on va... Déjà on va crafter de la truc en pierre. Il est où ton... Merci, très belle blague. Il est où le Staten Boat? Tu l'as calé à l'arrache. Là où ils l'ont laissé. Ok, mais je pense que c'est là-bas qu'on va. Donc dessus, on cale 4 tourelles auto, une balise si possible, et une Plantix. Enfin une, plusieurs Plantix. Je pense qu'il faut plusieurs Plantix. Faut aller faire pousser. Il va falloir voir la taille que ça va, parce que c'est des grands bacs hein, pour les Plantix. Ouais, c'est la taille d'une fondation. Je suis en train de réfléchir en fait de ce fait-là. Alors attends, on va construire. Gros, il faudrait construire derrière le pilote. Ouais, mais on va construire un bateau en bois. Tu sais quoi, on va construire un bateau en bois et à partir de là, on modifiera ce qui a modifié dessus, non? De toute façon, que ce soit un bois en pierre, le bateau il se fera attaquer, il se fera one shot. Ah oui, le bateau s'il se fait toucher, il est mort. Il ne sera pas touché. Non mais enfin, c'était plus le côté en pierre, c'est plus. C'est qui Big Mama? RP. C'est quoi ce truc-là? Bah c'est. C'est Loch Ness. On a Nessie. C'est pas ce que tu... le bateau. C'est parce que tu devais t'amener cet après-midi. Non, c'est pas ça. C'est quoi ce truc là? C'est énorme. Ça c'est la mini taille du truc que je fais. C'est le Plesios. Je savais même pas qu'on avait un Plesios. Elle a réduit. Goat farm, lance roquette et tourelle auto. Ça dit. Lance roquette, oui. Lance roquette. Je te dis pas le prix. Non, en fait, pourquoi je voulais pas du bois mais de la pierre, c'est si jamais on fait un aggro pendant qu'on se balade en bateau, quoi. Hein? C'est plus pour ça. Mais c'est pour ça. Par contre, pendant qu'on se balade, faut penser à désactiver tout. Hein. Oui, non, mais t'éteins le générateur. T'as le générateur. Je sais pas où est le statane. Je sais pas où est le statane en fait. Tu peux, mais c'est plus simple de désactiver le générateur en fait. Comme ça, ils sont tous passés devant en fait. Je suis passé dans un rocher à l'enclos à. Ah oui, il est à la maison, d'accord. Oui, non, il y a quelqu'un qui l'a ramené, je sais pas qui c'est. Du coup. Alors, dans l'idée, c'est qu'on fasse une. Comment ça s'appelle? Ah oui, il est là, ok. Est-ce qu'il nous reste des choses pour faire des trucs en pierre ou pas? Regardez, ça m'étonnerait. Je pense pas, mais. Oh, bah, 600, 200, 300, 400, 500, 600, on a quasiment 1000 pierres là. Bah, ma question c'est que. Ouais, au niveau du pont, on va commencer les fondations ici. Donc il faut qu'on mette dedans un générateur, des tourelles auto. Est-ce qu'on le surélève ou pas? Il faut que le pilote puisse voir quelque chose. Faut qu'il y ait la taille des plantilles, enfin, faut qu'il y ait la taille de mettre les plantilles, c'est les tourelles. Le pilote, on s'en fout, il ira tout droit. Bah non, il faut qu'il puisse voir où il va, qu'il aille pas se foutre sur une plage. Bah non, mais sans le guider, il faut qu'il voit quelque chose. Il faut, comme sur le Magri One, comme sur machin, il faut qu'il voit quelque chose, le pilote. Non, non, mais tu mets. Attends, je pense que ce sera moi qui vais piloter. Donc,
Tu mets le bateau et tu fais les trucs derrière le bateau en fait. Ah oui, il faut qu'il y ait rien devant le pilote. Que ce soit en arrière du bateau. C'est bien ce que je suis d'accord, faut bien que le pilote il voit quelque chose. Bah oui, mais dans tous les cas, de toute façon, faut que tout soit à l'arrière parce que ça va être guidé vers l'arrière. Mais si les tourelles le tirent, tu te mets pas face à la plage, tu te mets plus à la plage. En fait. Elles sont entre le pilote et le giga, le pilote, ça va faire une petite boule. Mais on aurait pu faire ça en surélevé, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas trop comment on va faire ça. Faut quoi? Faut des plateformes en pierre là déjà pour commencer, c'est ça? Ouais. Allez. On va faire ça. Des plateformes en pierre, j'en fais combien? Pour faire le générateur. Putain, c'est le bateau qu'on va pas avoir envie de perdre, hein, vu le truc. Je vais les former du fer. Déjà, j'ai pas de touch, ça commence bien, j'ai pas de branchage. Ça commence hyper bien. Et bah, je vais pas aller loin parce que j'ai pas de branchage en fait. On a un cerf. Ouais, le cerf, c'est dégueulasse, je trouve. Ah, il est bas level en même temps donc. Prendre. Fondation en pierre, il va me manquer du branchage, quoi. Non, je vais chez Farmer. Tu prends Chewbaclic. Ma question, c'est comment on va mettre ça? On va tout mettre à l'arrière. Alex. Qu'il y ait plusieurs hauteurs. Ouais, je te sens chaud, je sens que tu sais exactement à quoi il va ressembler le bateau, toi. Dis-moi. Je sens que t'as déjà fait un bateau de ce type-là. Tu sais pas pourquoi, à 4 km, je sens que le bateau, tu le connais, toi. Bah, les bateaux PVP. Si vous voulez de la pierre, go recycler les ponts. Bah ouais, si t'as déjà fait des bateaux PVP, je vais te laisser le construire. Je vais te crafter ce que t'as besoin et... C'est le mieux, c'est fondation, tu mets ce que tu veux, un pilier au centre pour un deuxième étage et tu mets d'autres trucs. Il y aura de la place pour des tireurs? Bah, les tourelles auto tirent toutes seules. Ouais, mais tu peux mettre des tireurs en plus, vu le nombre qu'on sera. Oui, bah oui. Il faut juste un qui soit un ou deux dans les airs pour l'aggro, mais c'est tout. Ils font quoi sur le bateau? On veut prendre notre revanche sur ce méchant gigatozozozor. Salut. Ils sont pas beaux. Toi, t'as vraiment de la chance que j'ai zéro balle. Hein. T'as de la chance que j'ai plus de balles, enfoiré. Franchement, hein. Je tirerai entre les deux yeux de Rexona pour l'amour de la patrie, là. Raclure. Ouais, mais tout à l'arrière, le bateau sur la plage et vous bombardez. Après, j'espère qu'il nage pas aussi vite que le bateau. Non, il nage très mal. Non, c'est très, très de la merde à nager. Je veux pas le tam, je veux ma revanche, moi, je veux le niquer. Pardon, excusez-moi, je veux le tuer, l'abattre. Voilà. Ça avec des branchages. Je suis en pleine réflexion, je vois pas trop à quoi ça va ressembler. Bah là, je crois que je suis sur le bateau. Tu vas où, Musa? Je suis sur le bateau. Ouais. Je le remets moins dans le pont. Il faudrait que tu montes ton cul en fait si tu veux qu'on puisse construire derrière. Que cette raclure de Magritor, de faux frère. T'as une échelle. En vrai, ça y est, j'ai trouvé. Je vais te capatiser. Je sais enfin de quoi je peux te traiter. De quoi? Ça sera un joli clin d'œil. Magritor, regarde-moi dans les yeux. Oui. T'es un fragile. T'es un fragile. Non. Avec ton espèce de poulpe sur le dos, là, tu m'auras jamais. Non, ça va partir en couille. Monsieur, ça va partir en vrille, je le sais tout de suite. Ça va pas bien partir. Vous êtes où? Bah, on est sur le pont et Magritor, il essaye de me tirer dessus. En plus, j'ai un bel objet dans l'inventaire. C'est quoi? Les menottes. Bah non, mais fous-moi le camp avec tes menottes là. Donc. Tu as mes menottes? Ouais, ouais, bon, il y en a craft bien. Ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il fout, Musa? Musa, il s'amuse. Donc, j'attends le touch et puis on va craft les premiers trucs. Voilà, Oro arrive. Yo. Avec tout plein de touch. Ton casque dégueulasse là. Oro! Salut, ça va, fait faire. Et lui, je peux lui caresser les boules. Attends, bouge pas. Oui, mais le pépère. Et ça va, tu te calmes, le pépère. Je caresse les boules. Il fait quoi d'autre? What? What the fuck?
Attendez, je peux monter là-dessus. Bonjour, ça va? C'est quoi? C'est le bras. Oh putain. Et c'est mieux que Euro Disney. À moi. Euro Disney, Euro Disney. La base des ennemis. Ah ouais, t'arrives devant le pont là, tu fais alors, comme ça je vais pas rentrer. Bande d'enfants. Pourquoi il bouge plus? Maurice? Avancer, hein. Bah je peux plus avancer en fait. Il se passe un truc bizarre, je ne peux plus avancer. Attends, je réessaye. T'as trop de trucs sur lui, plus lui il est chargé. T'es pas trop lourd? Bah si, je suis peut-être un peu lourd. Ah attends Maurice, je fouille ton fondement pour récupérer un ou deux touchs. Merci Maurice. Tiens, je te laisse vider le reste, Oro. Allez, donc je te fais des plateformes en pierre. C'est stylé comme ça. 2, 3, 4. Combien tu veux de plateformes en pierre? De fondation? 4. Ok, les 4 arrivent. On va faire des ceilings après. Ouais, je t'envoie ça, t'as l'air d'être un expert de la construction du bateau de l'enculé PVP. je sens que tu peux nous construire ça à bras le corps, dans un environnement fortement sympathique. Moi j'infiltrerai le bateau. Voilà, tenez, vas-y. Tu veux m'infiltrer, ça. Yeah. Et t'es dégueulasse en triceratops, hein. Malgré tort le triceratops. T'es dégueulasse, dès que tu lèves la tête, on se rend compte que t'es pas un tricé. Il y a carrière compris. Et toi, 4 pattes pour voir. Il commence à être bizarre ici. Alors. Ça parle d'infiltration. Oui, bah oui, Oro il veut s'infiltrer. On sait pas dans quoi, mais il s'infiltre. Vous infiltrez en live juste après, Oro, c'est ça? Ouais. Je vais essayer de m'infiltrer dans le Mosasaur déjà. Ah, ça donne envie, oui. Ça donne envie. Ah, il a level up, Big Mama. Big Mama gardien du pont avec Nemo. Hein. Attends. Tu prends des dégâts de chute en plus. Ouais. Deux piliers et des cellules. Pilier ceiling, excuse-moi. Alors, hop, hop, hop. Il y a des piliers dans le coffre. Ah, nickel. Pas si ils sont toujours, mais il y en avait. Dans le coffre? Il y avait des piliers normalement. Ouais, il y en avait deux. Ok. Et tu veux des ceilings, excusez-moi. Ouais. Combien de ceilings? 4. 4 ceilings. En bois ou en pierre? En pierre, je suis dessus, je suis au taquet là. Un véritable merde. Constructeur de l'extrême. 4 ceilings. C'est qui a gros un truc? C'est en bas, c'est sous l'eau. Ah, ça se défend, t'inquiète. C'est Big Mama qui ah, ouais. Et ben Mégalodon qui a voulu détruire le pont, je crois. Ok, j'ai vos ceilings, monsieur. Je vous les lance, attention. Lancez de ceilings. Oh là là, on sent que le mec, il a fait des bateaux enculés PVP. Tu le sens tout de suite, là. Tu le sens, là. Par contre, tu pourras pas relier les deux ensemble. Relier quoi? Bah, les deux... Les deux côtés, hein. Si. Enfin, du coup, il m'en manque un. Ah, il faut deux cellules. Je peux le faire. Oui, ah ouais, vous me demandez. Moi, je vous l'ai fait, y a pas de souci. Faut faire des échelles aussi. Ça, je peux le faire, il suffit que j'aille dans la... Ouais, il y en a même d'avance, je crois, dans notre établi. Dans notre établi. Ouais, mais il est loin. Ouais, il est loin. Il faut un établi, mais chill, pour le faire. Tenez. Ça me fait plaisir. Viens, on y va. Combien d'échelles il te faut? Au moins deux. Trois. Ouais, minimum. T'es un vampire, Alex. Tu brilles au soleil. Je te dis, Michel, je sais pas. Oui. Non. Ouais, enfin, techniquement, les vampires, ça brille pas au soleil. Ça brûle. C'est pas pareil. Ah, ça dépend. Ok. Tiens, j'ai fini sur Netflix, rien à voir, le mec change de sujet, mais j'ai fini Une Nuit en Enfer, la série. Enfin, j'ai fini la saison 2. Parce que saison 1 et 2. Ouais. J'ai moins aimé la saison 2. Ah, moi j'ai plus aimé la saison 2. Ouais. Parce qu'elle est RP. Bah, je sais pas si on peut dire RP, mais en tout cas, il y a un litrage de sang assez dingue. Combien tu m'as dit l'échelle? 2 Ouais. J'en ai 4. 4. 4, ouais. Ouais, 4. Je viens avec les 4, je savais que j'en avais vu passer par là. Il est passé par ici, il repasse. Putain, avec le comment ça s'appelle? Avec Kenzal Farrell là sur notre truc pour décoller et pour atterrir, c'est un peu la merde. Mais c'est là, mais la vache, il trace, clique tout. Ouais, bah je l'ai bien monté. Hein.
Il commence à tracer sévère. J'ai cru que tu frappais nos animaux. Mais non. Non, c'est mégalodon, c'était... Alors, voilà, monsieur. Livraison, ça fait 5000 euros. C'est des escaliers en poutre de cul. Je chargerai. Pendant ce temps-là, t'as Chewbacca qui est là. Ah, t'arrives chez les ennemis comme ça, tu fais. Hey, attends, ça peut marcher ou pas? Mais feu! Loupé! T'as été un peu loin et d'où il était en fait cette tête. On retente notre chance, allez-y, Euro. À vous. De là où il est, ça passe. Base ennemie! Ah, voilà, pile poil. Hein. Putain, mais c'est fumé pour aller dans la base ennemie, ça. Ouais, bon, c'est pour ça que c'est fait pour. Un mur très haut, quoi. Du coup, tout au-dessus, tu peux mettre le générateur et toutes les tourelles, et non, on peut aller en dessous. Et les plantes? Et la plante? Bah, aller en dessous. Parce que là, encore. On a encore de la place, là. Hein. Ouais. Ah, tu mets les deux grands pots ici, là. Faut que ça soit à l'arrière, faut surtout pas qu'il y ait des choses devant. En fait, il faut que les mitraillettes elles donnent sur l'arrière, c'est ça? Toi, tu vas conduire inversé. Tout le haut, donc les mitraillettes seront ici. On peut en mettre 3. On peut même mettre des plantes, générateur. 3 ou 4. Générateur, plante, et nous on pourra tirer d'en bas. Mais tu vas voir quelque chose si on tire d'en bas? Bah, sur les côtés, de la place. Je pars tout droit. Hein. Si tu te mets là pour tirer. Ouais, limite ici quoi, les tireurs en bas et les plantiques là-haut quoi. Je sais pas. Et tu sais, on peut encore faire des côtés, hein. On a encore de la place là, ouais, Maurice. Parce que là, c'est pas du spécial PVP, on peut encore agrandir et sur les côtés, peut-être avec les ceilings. Faut faire gaffe à pas trop agrandir parce qu'il y a un nombre de structures. Après, il y a le nombre de. Ouais. On a assez, t'as vu le magrigot. Oui, j'ai pas vu, je suis pas là. Hein. Non, là c'est. Forme du métal. Là. Ok, donc je vais aller voir pour faire les. Ah, faudrait que je demande à PayPay, je sais pas si elle est sur le serveur. C'est après, plus il y aura de plantes X, plus ça. Faudrait qu'on trouve deux plantes. C'est quoi, c'est des grands pots? On a les graines. Non, mais il nous faut des grands pots. Ouais, et on a des plans. Et beaucoup de fertilisants, je crois. Bah ouais, les plantes peut-être maintenant, parce que jusqu'à lundi, Faut que ça pousse, quoi. Bizarre. Tu veux les mettre là-haut ou en bas? Moi, j'aurais bien mis... Tu sais quoi? J'aurais bien mis là sur l'arrière, la fondation là sur ma droite à moi, donc sur ta gauche, avec une plantique à cet endroit-là, ou des ceilings, tu vois. Et t'en mets, en fait, tu mets deux ceilings là, avec deux fois des plantiques, c'est pareil de l'autre côté, et tu laisses quand même une place pour tirer. Ça fait 4 plantiques. Ça fait 4 plantiques sur les côtés. Tout en haut les tourelles. Tout en haut les tourelles, ça en fait 3 ou 4 dans la longueur. Le générateur, et on est pas mal. Enfin, mais là, 2 ceilings, donc il faudrait 4 ceilings de plus. Ouais. Je vais les craft. Je le sens bien. Je crafterai le générateur. Moi, je m'occupe du courant. Après, le pire, c'est les plateformes sur les trucs qui sont sous l'eau. Ouais, d'azur. Mais on même peut pas le faire plaisir, encore. Ouais, même le plaisir, ça va hyper vite. Mais on peut pas le faire encore. Non. Mais c'est un peu dommage que. C'est 85. C'est un peu dommage que l'électricité elle marche sous l'eau. Donc ça, c'est un peu pété. Parce que du coup, il y en a, ils mettent des lumières, des tourelles, et ils attaquent les bases comme ça. Les bases en bord de mer, tu les attaques comme ça. Bah ouais, tu peux en bord de. Tu t'accostes à la plage et. Les plantiques, si tu attaques à distance, ça fait des dégâts poison et ça ralentit. Ouais, ça ralentit et ça attaque. Alors, c'est ce qui est le plus utilisé en PvP. Les Plantix, ouais, quand tu vois les bases, tout à la Plantix. Tac, comme ça, tu vois, on met les plantes ici, sur les côtés. Ça me paraît pas mal. Ouais, sans attaquant. Ça fait 4 de distance. Ça fait 4 Plantix, tu vois, il faut juste qu'on fasse les 4 pots là. Les gros pots, moi je sais pas les faire, mais. On peut les désactiver, les plantes, pour la route. Il y a le mode sommeil pour les plantes. Voilà, donc il va falloir qu'on commence à les planter assez vite, les Plantix et les mitraillettes. Donc en fait, limite, on peut le ramener sur la plage, lui. Ouais. Faudra juste, c'est ça. Et à l'arrière, bah, où on met deux tourelles en bas. Oh, faut mettre tout en haut les tourelles. Tout en haut les tourelles. Au moins, on n'est pas gêné. Ouais, ouais. Il vaut quand même, ça permettra qu'en fait, d'ici, il puisse rester des tireurs manuels, quoi. Ça fait un qui conduit, deux qui tirent et deux en l'air. À peu près. Grosso chiasso. Bah, parce qu'il va falloir l'aggro. S'il est légèrement dans la montagne, tu fais comment? Tu l'aggro avec. Ah, ouais, une personne. De toute façon, il faut qu'il l'aggro. Il va pas le lâcher, le bateau. Ah, oui, une fois que le bateau va l'attaquer. Entre les pompes qui vont l'attaquer. Par contre, il va falloir mettre. Là, le farm est énorme parce que ce que vous voyez pas, c'est qu'il va falloir beaucoup de munitions. Et il va falloir les recharger, les tourelles. Je pense qu'il faudra pas toutes les mettre à tir en même temps pour essayer de rouler et que. Il faut remplir. Faut les remplir toutes. Tu remplis les tourelles. Là-haut, tu penses qu'on peut mettre combien de tourelles là-haut? Minimum 4. Minimum. Ouais, il y aura un générateur à mettre au milieu. Générateur au milieu.
Générateur, tourelle. Petite, hein, les tourelles, les premières. Ouais. Tu peux... Un générateur derrière, au milieu, tu vois, qu'on puisse passer sur les côtés. Le générateur, faudra bien qu'il soit au milieu. Ouais, ça peut faire pas mal. J'ai dit Gano, ce tir en forêt, ils sont baisés. C'est pour ça que moi, je serais sûrement avec Click Tout. Après la baliste, on peut parce mettre. Parce qu'il est dans, il est là, on peut peut-être mettre une baliste ouais, en mais plus. La baliste, hein. Ça coûte cher. Hein, on met un Céline devant moi et on peut mettre. Mais si on peut pas récupérer les munitions en plus. Le problème de la baliste, c'est qu'il faut savoir bien viser. Et c'est les tirs de baliste, on galère à gérer. Et surtout qu'on pourra. Non, je préférais en fait, je préférais qu'on ait masse balle en rab et qu'on soit au fusil snipe ou au fusil auto. Ouais, mais plutôt que la baliste en fait. Tu vois, au snipe, si on peut être au snipe avec masse balle. Voir deux snipes chacun si jamais ça s'use trop vite. Là, il y a déjà un peu de boulot. Hein. Oliver, on l'entend plus, il est en train de farmer comme un porc. Il y en a qui veulent que je fasse le rôle de la chaîne. Casse du métal. Oui. Donc là, il va falloir faire les pots. Est-ce que l'un de nous sait faire les pots ou pas, les grands pots? Non. Les grands pots, je pense qu'il y, a, il y aura. Il y a PayPay. PayPay, moi je peux l'apprendre, il me reste encore 331 points, les gars. Attends, il est où le gros pot? Alors. Parle de qui? Non. Non, pas lui. Il est où le GoPro? Ça, c'est les menottes, uncut. Enfin, uncuffs. Il y en a, ils font des propositions bizarres. Qu'est-ce de qu'ils me disent? Menotter et de me jeter pour attirer les gigantes. Non, non, on a non, besoin qu'ils servent à quelque chose, déconnez pas. On met des pièges à ours sur la plage, ce mec qui a rien compris. What the il va se faire one-shot le pied. Culture moyenne, ça demande le petit carré de culture. Alors, le petit carré de culture, tu es où? Mangeoire. Tout en haut, tout en haut. C'est un des premiers trucs que t'apprends. Un petit, dis-toi. Non, non, c'est un grand. Ouais, mais un moi, grand, il faut que j'apprenne les autres avant. Ah oui, ouais, le grand, il est avec les balles primitives. Alors, là, je trouve pas le petit. Alors là, c'est pas gagné. Les... Mangeoire. Salle des trophées. Je suis débile ou je le fais exprès? Oui, t'es foncièrement débile. Oui, je suis au courant. Taille moyenne. J'ai le taille moyenne sans problème, juste après la fourrure, mais je trouve pas le. Tu sais que tu peux faire une recherche par nom. Dans tu tes points petit. Tu peux t'as une barre de recherche en bas. Ah, mais c'est vachement bien. Ah, bah oui, petit carré de culture, petit, gagné. Moyen. Ah, mais c'est super ça. Oh, j'attends que tu galères un peu d'abord. Ouais, bah ouais. Mais ouais, mais t'es magnifique. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui doivent se dire bah merci parce que je savais pas. Alors, on a pas le level pour les plateformes de Speak. Alors, agriculture, ah, sinon, le grand, il va me falloir 80 bois, 40 brochages, des fibres et de la pierre. Et bon, bah voilà, bah, on va, c'est bien, on va pouvoir les faire ici. Alors, on va déjà en faire. Si on met des plantes X, est-ce qu'il faudra pas les irriguer en eau? Ouais, on fera ça manuellement. C'est pour ça qu'il faut pas les planter trop tôt quoi. Puis on a tellement de fertilisateurs que un truc qui va. Bah, est-ce que un truc con malgré tu vas me répondre. Est-ce que sur le bateau on peut mettre un tuyau non tu peux mettre un tuyau avec une pompe. Je pense que c'est faisable. Voilà. Je pense que c'est faisable. Faut qu'on teste. Cet après-midi on va travailler là-dessus tiens avec ma grille tranquillement. Ah bah non je suis pas là cet après-midi. Je suis débile. Alors t'inquiète on va travailler ouais, là-dessus. Ouais. Ce soir. Enfin, ce week-end, on a le temps de. Oui, on a tout le week-end pour préparer. Bon, c'est bien. De toute façon, là, on va continuer. Est-ce que pendant, ça va être la pub, là, messieurs. Dernière pub du live, on va la faire maintenant. Est-ce que pendant ce temps, il y en a qui peuvent aller. Il va me falloir déjà. Il va me manquer pas mal de branchages et fibres. Branchages, fibres et un peu de pierre, je pense. Hein, puisque la pierre, on en a plus. Elle est passée où, toute la pierre? On a fait des ponts, je crois, hier. Qui c'est qui a carotte? Mais non, mais tout à l'heure, on avait plus de 1000 de pierre. Déjà tout niqué. Oui, bah, je sais qu'elles sont mes pieds, mais. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à faire une chose, les gars. Attends, je vais. Ah, attends. Si vous pouvez aller chercher. Alors là, pendant la pub, de la fibre, du branchage, fibre, branchage, pierre. On peut pas mettre de pipe hein, sur le. Pas beaucoup, hein. Mais. On peut pas. On peut pas mettre de tuyau sur le bateau. Ah, putain, c'est con. Après, voir si, vu que le bateau est sur l'eau, ça coupe les. Irrigué. Ouais, peut-être. Alors, après, ouais, comme ils disent, la pluie, on a les bocaux d'eau. Ouais, puis tu t'arrêtes en mer, c'est pas long. Hein. On peut le mettre sur le pont, par contre. Sur le pont. Oh, on remplira. On peut le mettre sur le pont. On pourra amarrer ça. Je vire ça, j'en garde qu'une qui nous sert là pour la construction. Je suis assez souvent de ce bateau, voilà. Donc est-ce que j'ai assez de. Non, il va me manquer la pierre. Il va falloir aller chercher un petit peu ça. Donc tout ce qui va être pierre.
Pourquoi j'ai plus rien là en 3 et 4? J'avais quoi avant? Mon arbalète et quoi? Je sais plus. J'avais un pompe. Bon, on verra ça tranquillement. Bon, donc on va aller chercher de la fibre, du branchage. Le bois, c'est bon. Fibre, branchage, pierre. Tu te calmes? Oh, je peux pas t'endormir, j'ai rien. J'ai un pistolet, mais regarde. C'est vide. J'ai un fusil, ça endort différemment, mais ça fonctionne. Ouais, tu m'étonnes. Bon, mesdames et messieurs, vous ne quittez pas dernière pub du live. On l'a fait un peu plus tôt que prévu, à 5 minutes près, mais au moins comme ça, après, on est tranquille. Don't worry, be happy, don't panic, Bimonic. On se retrouve d'ici quelques instants. Résumé du live d'Alex avec un petit design. C'est petit Bubble qui dit ça. C'est, tu vois un petit bonhomme qui fait « Tu veux être mon copain ?» Et il y a un gros dino, il fait « Je crois pas, non ?» Allez, on va retweeter ça. Bon, vous ne quittez pas, on revient d'ici quelques instants après une courte page publicitaire. On est ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Musa, d'Oro, de Magritor et d'Oliver. C'est bientôt le week-end. Profitons, oui. Profitez. A tout de suite. Bah vas-y, mange, n'hésite pas, on t'entend pas du tout avec tes chips en mode. Vas-y, continue, vas-y, refais des chips pour voir. C'est qui chips? Voilà, merci. Mesdames et messieurs, il est 14h23 et vous êtes toujours sur Gaming Lab, la petite vidéo jeuxvideo.com où Musaren mange des chips. Voilà, Musaren, vous êtes content. Alors en fait, non, ce n'est pas des chips, j'étais en train de déballer. Je sais pas savoir. Ah oui, c'est un jeu. C'est ce que je pense? Oui. Ah, c'est cool, je suis content alors. Si, je suis content. Auro, tu iras voir ta boîte aux lettres. J'ai pas dans ma boîte aux lettres. Putain, mais pourquoi alors l'autre, il reçoit jamais? Attendez, c'est, allez. Pas les vrais, Envers du décor, mesdames et messieurs, je suis toujours avec Musaren, Auro, Magritor et Oliver Statan. Vous êtes toujours sur jeuxvideo.com, Gaming Life, toujours clic, toujours les viewers, on est toujours mort par un giga de merde, et on va le déglinguer lundi. Ça, c'est pas un souci, et mardi, nous passerons. Ta gueule, toi. Toi, ta gueule, espèce de fragile. Mec, c'est m'énerve. Tu sais pas pourquoi il pète des plombs, tu sais pas pourquoi il fait. Putain, mais pourquoi autant de violence, moi qui t'ai. Bon, donc, mardi, nous passerons sur Primal, jeu qui nous est offert. Ce n'est pas une OPSP, mais il nous est offert gentiment par Ubisoft, et c'est justement le jeu qui est en train d'ouvrir Musa. Il n'a pas le droit de vous le liver avant mardi, mais il l'a reçu en avance. Interdiction de live avant lundi soir ou mardi, j'aurai les précisions avant. Alors, certains youtubeurs et certains casteurs, vous les voyez live avant, c'est qu'ils ont une autorisation. Nous ne l'avons pas. Voilà, soyons francs entre nous. C'est comme ça, point c'est tout. Déjà, c'est sympa de nous l'offrir à tous les trois. Et donc, oui. Musa, pour information, lorsqu'il commande chez Ubisoft, il ne reçoit jamais son jeu. Hein, il a commandé masse jeux Ubisoft qui n'arrivent jamais chez lui ou avec 3 mois de retard. Pour une fois, c'est la presse, la relation presse qui lui envoie gentiment. Et là, pan, il le reçoit même avant Auro et moi. Je sais pas, j'ai pas regardé ma boîte aux lettres, mais c'est cool. Si tu l'as reçu, tu dois être tout content. C'est livré par un livreur UPS. Ah d'accord. Bah, moi, je sais pas, le transporteur, moi, il sonne pas. Bah, il va dire que t'étais pas là. Dépend... Moi, je vais le déglinguer s'il dit que je suis pas là, je t'assure. Alors donc, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble et nous préparons le bateau de Dans ta face, le giga. Le bateau qui lui expliquera comment qu'on s'appelle. Pour cela, nous avons besoin de Plantix. Mais les Plantix, moi, j'ai beaucoup de joueurs qui disaient qu'avec avec la pluie et tout, on peut les faire pousser dès maintenant. Mais le truc, c'est que si on les fait pousser dès maintenant, faudra leur donner une masse de fertiliseur. C'est le fertiliseur, quoi. Ouais, donc faudra. Donc, ça pousse vite. Mais au pire, on mettra un mur de serre. Faudrait faire dimanche. Faudrait faire pousser dimanche. On pourra mettre un mur de serre pour. Oh merde, j'ai plus de pierre. Je n'ai plus de pierre. J'en ai un coffre complet. Pierre qui roule, ouais, n'amasse pas mousse. Donc on dit qu'on les mettait sur les côtés. Voilà. Alors, attends, faut que je fasse bien rentrer correctement, qu'on ait pas de soucis par la suite. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on a petite culture, on mettra la deuxième à côté. Et comme ça, on va mettre 4, il y aura 4 plantix sur les côtés, déjà. En fait, on est en train de vous montrer comment faire un bateau PVP. Avec grand plaisir. De la pierre, on va aller chercher ça. Es-tu là? Ah bah non, mon oiseau, il est pas là. Oiseau. Oiseau. Fais comme... Rexona. Ouais, je suis content que tu sois en vie. Par contre, ton maître... Mais qu'est-ce qu'il est con, putain. C'est un fragile, lui, il fait plaisir. Putain, mais même pas il me ramène de la pierre, cette enflure. Allez, viens, on va chercher de la pierre. Je vais chercher les plantes. Mais par contre, c'est probable que si je m'excite un peu et qu'on a un aérien, moi j'y retourne en spino. Hein. Je suis un fou. Hein. Je vais pop un spino level 600, tu vas voir s'il fait le malade. C'est un malade. Commande admin, bonjour. Bonjour, je voudrais... Quitte le direct. Hein. Ah, c'est pas con, je peux le tamer direct aussi si je veux. Mais c'est pas du sport. Le sport, c'est de le défoncer à la mano. Tu sais, la mano des... T'es comme mano, ouais. Ciao. Manu, ciao. Du bois, moi j'arrive. Ouais, s'il y en a un qui monte, je veux bien. Moi je prends de la pierre sur la plage, quoi. J'en suis réduit à ça. À la main, quoi. Voilà, tout ça pour prendre combien de pierres? Attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, 3 pierres. Ah, mais c'est pour ça, en même temps j'y vais à la pioche, faut que j'y aille à la hache. Dans ce jeu, cherchez pas à comprendre. Cherchez pas à comprendre. Vous voulez de la pierre, allez-y à la hache. Vous voulez du silex, allez-y à la pioche. Genre beaucoup de bois, m'arrive par contre.
Ouais, deux, je crois. Je crois que je vais aller à la montagne, hein, parce que à base de 10 pierres, on n'est pas rendu. Alex, numéro 1 des expressions les plus utilisées depuis 20 ans. Qu'est-ce qui n'est pas utilisé depuis 20 ans? Je peux pas vous répondre ma... Ça va pas le faire encore, vous allez dire, ah, ça y est, il s'énerve. Ça y est, il s'énerve. Ça y est, il s'énerve. Qu'est-ce que j'ai dit? À la hache, la pierre, Alex. Oui, bah oui, pierre. Pierre qui roule n'a mal pas mousse. Oui. Bon, je pense qu'on va aller faire un tour à la montagne. Y'a quelqu'un qui a emmené le Quetzal à la montagne? Je vais l'amener. Bah, emmène Quetzal Faral et fais-nous un aller-retour, parce que sinon on s'en sortira pas. Vraiment, ce sera la merde. Est-ce qu'on roule live aujourd'hui? Oui, live sur. Vous le retrouvez sur le www.alexclicktv.fr, rubrique planning. Alexclicktv.fr, alexclicktv.fr, rubrique planning. Vous avez les liens, il fait ça de 15 à 17 et de 18 à. 21. Merci, Ro. Non, parce que j'ai cru à un moment donné que vous en aviez rien à foutre de vous-même. Non, 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 non. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Voyez, j'ai eu très peur. À chaque fois que le gorille m'arrive dans le. Je flippe un coup quand même. Get lucky. Alors, on y va, on va placer le deuxième pour les Plantix. Dis-moi que ouais, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, je l'ai mis trop proche, bon, c'est pas grave. Ça sera Proxima Sleep. Voilà. C'est foncièrement pas beau, pas aligné, mais on s'en fout. Voilà. On a déjà deux grands carrés pour les deux Plantix, et on va en faire deux autres là-bas. Il va me falloir de la pierras de patatas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez pas mes cultures? C'est pour, qu'il y a un... Hey, alors, écoute-moi bien, il est où l'autre? Alors, il est où? Je vais te traquer. Je vais te traquer. Non, il y a écrit, regardez, eau 0 sur 600 non irrigué. Mais alors, je vais vous montrer comment mettre de l'eau à la main en attendant les pierres. Je vais vous montrer ça. Il va falloir, j'espère qu'on en a encore. Prendre de l'eau dans sa main. Et des gourdes ou des bouteilles, non? Non, pas la gourde, que des bouteilles. Je crois pas qu'à la gourde ça fonctionne. Bon, click one, click two, pardon, excusez-moi, je vous confonds avec votre prédécesseur. Ça, ça fonctionne. Ça fonctionne la gourde? Oh, fait chier, ouais. Bah je reviens. Ça, il s'est dit, ça prend environ 10 heures IRL poussée. Une Plantix? Bah on mettra dimanche. Non, oui, c'est pour ça que je disais. Dimanche matin, et ça sera bon. De retour avec ma gourde. Est-ce que d'ici tu voudrais bien me la. Non, on est trop haut, tu veux pas te pencher? Là. C'est pour ça que j'ai été au bout de Pantan. Au bout du pantin. Oui. Alex. Oui. Mais t'as un truc de flotte. Ah mais je suis débile. Non mais le dites pas, c'est bon, je suis au courant, on est vendredi. On est vendredi. J'arrive. Ouais. Mis devant exprès. Pourquoi ça marche pas? Je peux pas. Peut-être accéder à la C'est pas le chiant le truc. Ah mais c'est parce que j'ai pas de gourde. Il est gourde. Mais parce que je suis mort, j'ai plus rien, je suis à poil. Bon donc, alors je vous explique le trajet. Il prend de l'eau dans sa gourde, il arrive, il la met dessus, ça irrigue. Vous voyez, 600 sur 600. Enfin, ça irrigue, ça met de l'eau. Utilisez. Tu le sélectionnes. Écoutez, moi j'en ai marre. À bientôt. Comme pour nourrir un dimanche. Voilà. Je vous souhaite bon courage, bisous. Peut-être remonter, parce que c'est bien de faire le fifou, mais. Hein, fifoutera bien qui foutra le dernier. Donc. Je me marre de ma vie, j'ai plus rien, j'ai plus de stuff. Je suis tout nu. Tu reprendras un spino, Alex. Non, mais laisse-moi tranquille, toi. C'est les questions du... Mais laisse-moi tranquille. Ah, Docteur Psycho, tu reprendras un spino. Mais bien entendu, Docteur Psycho. Mais bien sûr, puisque c'est toi qui demande. Ce live part complètement, je vous le dis tout de suite. On est vendredi, c'est la merde au village. Hein. C'est tout ça. Attendez, je vais quand même demander parce que moi je voulais savoir si le gars de chez Ups il est passé. Moi maintenant j'ai envie de savoir. Bah t'étais pas là. Moi il est pas passé. Hein. C'est un gars de chez Ups qui est passé, Musin? Il a sonné et tout chez toi? Ouais. Et d'habitude les gars de chez Ups ils sonnent pas chez toi et tu reçois pas les jeux Ubi. Et là moi, ils sonnent chez toi. Mais si je te reçois, mais un mois plus tard. Oui, bah oui, un mois plus tard. Alors que là, illico freshto. Attends, faut que j'aille chercher à manger. Je vais vous piquer à bouffer, gros. Hein, parce que... Ouais, vas-y. On en a pas beaucoup donc. J'ai raté le. Je vais ouvrir le frigo, l'autre va y avoir à manger pour un banquet. Si ça part de Montreuil, je suis plus prêt. Oui, bah. Ça va. Si, c'est le même qui fait les 3 trajets. Ouais. Ça, s'il passe à Clermont avant de passer à Nantes, je suis baisé, j'aurai ça mercredi, ouais. Bah, la journée, ça doit se faire, mais. Ça livre le samedi. Oui, ça livre le samedi en plus. Non, non, mais. C'est le week-end, hein. Non, mais. Il est fonctionnaire. C'est vrai que vous avez pas beaucoup de bouffe, hein. Non, t'as pas... y'a un frigo à l'étage. Bah non, on aura... Y'a la réserve. On a plus rien.
Bon, et puis on a une idée en tête concernant Ark, ça sera pour allez, en termes de temps, je pense que demain. Ça serait non pas demain, ça serait pour mai. Bah, mai par là, mai juin. Ça va dépendre. Après, ce sera sûrement après les 2-3 semaines sur Division, parce que ça j'ai vraiment envie d'y passer au moins 2 semaines. Après les 2-3 semaines sur Division, on a une idée, on est en train de préparer ça, on a un petit délire sur Ark. Sur une saison complète vraiment plus dure. Vraiment. Saison aux petits oignons. Aux petits oignons. Bon, il arrive mon Quetzal plein de pierres là. Ouais, attends, il n'est pas encore arrivé putain, à moi alors. Ah, putain, déjà, je fais l'aller. Ah putain, les gars, tu ressembles au livreur de chez Ups. C'est pas moi qui atteigne. Tu livres d'abord Musa. Mais Musa, il est avec moi hein, si tu veux le livrer. Ouka. Hop là. Putain, c'est vachement bien ce singe. Chouba clic là. C'est con qu'il n'y en ait pas un deuxième là-haut, comme ça on aurait pu faire. Ah, je sais ce que je vais aller te chercher pendant ce temps. Tu vas me chercher quoi? Il va faire une armée de singes pour se lancer juste de singe en singe. Bah ouais, c'est ça. Ce qui sait pas, c'est que je le suis. Attends, je vais peut-être aller plus vite. Oui, c'est peut-être. Dites-moi où je vous dépose. Dites-moi où je vous dépose. Tout droit. Oui, tout droit. Quoi ici. Je vous pose ici? Là-dedans. T'as vu, je t'ai pas lâché de haut. Ah oui! Alors attends, est-ce que plutôt que d'ouvrir les portes. Non, tu peux pas le porter. Mais non! Ah merde, c'est toi! Excusez-moi, je vous repose. Bon bah alors, je vais reposer Maurice. Tu sais quoi, je t'attends, je vais poser mon Click One. Ah, pas bouger, Click One. Et je viens à toi par la voie terrestre. Ah, là c'est la voie de l'emmerdeur. La promenade, c'est chiant à désactiver. C'est un peu chiant. Bah t'as juste à le siffler, il bouge plus et tu l'actives. Mauricio, où êtes-vous? Attends, je suis là, je vais récupérer la bête. Mauricio Deloro. Ils sont en promenade, c'est n'importe quoi. Attends, est-ce que c'est pas ouf pour sortir? Oh merde, il me faut 10 ans. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Y'a un œuf. Voilà. Ah mais c'est horrible à conduire cette affaire. Mais c'est quoi ton histoire là? De toute façon, je peux me mettre à l'arrière, je peux pas tirer, j'ai plus de balles. Alors de toute façon. Je vais gris qui arrive. Vas-y, tu vas y arriver. Attends, je ferme le. Ça tourne pas en fait. Je grimpe. Siège avant. Parti. Ah tu peux pas. Par contre là, tu peux pas voir. Tu peux pas voir à troisième personne. Moi, je peux pas. J'ai pas le droit. Et donc là, je peux tirer. Putain, mais ça trace. Vas-y, va chercher Musa. On va se faire. Je peux pas tirer sur les bestiaux. J'ai pas de balles. J'ai plus de lunettes, plus de balles, c'est la merde. Est-ce qu'on peut prendre le Quetzal, attraper le Giga et non, ça sent la connerie. Putain, t'as même pas le temps tellement tu vas vite, tu charges pas quoi. Musa, montez. On vous emmène. Donc il nous faut juste beaucoup de pierres. Ah, Musa il est en train d'ouvrir son jeu, là ça y est il est parti hein. Musa Ren. Il est AFK, il a dit. Ah bah c'est ça, il est en train de... je sais pas ce qu'il fait. Tu veux conduire? Vas-y viens, je conduis. Fais gaffe les freins et... Les freins céramiques, c'est pas chaud. T'en as là-dedans. C'est le volant qui est pas ouf. Vas-y montez. C'est pas... Je suis devant moi. Fais gaffe là, si tu démarres ça va pas tourner. Pum, ça tourne pas hein, ça tournera pas là. YOLO. Putain, on va dans l'eau. Tu sais que c'est hyper fragile. Hein. Ah merde! Elle est bien cette petite forge, non? Ah non, ouais, non, déconne pas, non, mais non, non, non! T'as pas de méga, pas de méga, pas de méga, pas de méga. Non, ouais, non, parce que ça sentirait la connerie, tu vois. Tu l'as tamis hier, pan, je le tue, on va encore dire c'est que je tue hyper les animaux. C'est fragile, quoi. Y'a pas le premier ni le dernier, hein. Attendez, j'ai. On a l'habitude. Attendez, c'est important, parce que ma mère, je crois, elle a toujours pas compris, en fait. Que c'était un métier. Je veux dire, je suis en live parce qu'elle me dit, faut que je t'appelle absolument. Mais je suis en live là, maman. Je suis en live là, je travaille, maman. Voilà, je suis en live là. Mais c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je lui dis, attendez, c'est important. Sa maman, c'est tout. Hein. Je suis dans un métier où je peux m'arrêter deux secondes. Voilà, sinon je vais décrocher. Au pire, je vais l'appeler. Alors, maman, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Je vis plus à la maison depuis 10 ans, mais qu'est-ce que. Putain, mais ça trace. C'est un truc de ouf, comment ça trace. Gamma 2. Ah bah, je suis déjà en gamma 2. On va se mettre dans l'autre sens du soleil, comme ça on verra quelque chose. Putain, ça a une vitesse. Alors par contre, je te vois avec tes plumes, là.
Par contre, comment on repasse de l'autre côté? On se la retente. Ah bah non. La retenter. Bah, je suis. Tu t'attentes côté gauche, droit du pont, mais bon, il y a Big Mama. T'as voulu mettre une patate là? Tu me bouches le passage. Putain, s'il y a une connerie. Ah merde, attends, parce que je lis. Après, on va couler. Non, non, ça va, je gère. Ah merde, il y a pas le pont. Cool là. Mais non, ça va, je coule pas. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas un truc qui vienne jouer avec nos. Non, non, ça va. À droite, à droite. Non, pourquoi à droite? C'est là. Eh non, la rambarde, c'est là. ZZ, tu m'as fait. Ah merde! Bah, nage. Je sécurise le. Il y a une plateforme. Je devrais mettre Big Mama de la côté. Oh putain! Faut que tu regardes leur tour là. Absolument. Il s'est passé un truc étrange. Le singe m'a propulsé. Putain, par contre, ça galère à tourner. Hein. Ah oui, il n'y a pas l'ABS. Tiens, je te laisse faire le créneau. Ouais. Parce que ça me fait plaisir. Alors attendez, non. C'est... Voilà, hop. Ouais, je suis peut-être en marche arrière. Donc, non. Ah oui, t'as un rebondissant. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je lui dis à ma mère, je t'appelle à 15h, c'est promis, maman. Voilà, comme ça au moins, elle va me dire d'accord, comme ça. T'as vu qu'il s'appelait Ferratlik? Ouais. Oh là 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 là. Bon là, vous aurez remarqué qu'on fout pas grand chose en attendant la pierre. Hein. Et Crouch, le mégalodon, mais non, ça mais arrive. Non. Mais non. Ma tribu sur Arc s'est fait défoncer par une tribu ayant un gigano level 202. 202 ? T'as intérêt à lui calmer sa barre de rage à lui, hein ? Comment tu calmes la barre de rage de ce dino ? Tu lui donnes des plantes ? Tu le laisses tranquille, tu tues tout le monde. D'accord. Non, mais c'est vrai en plus. Mais après, il revient à toi une fois qu'il a tout tué ? Ouais. Ah ouais, donc au pire des cas, tu l'emmènes dans un coin, tu le laisses bouffer pendant une heure ou deux, et puis tu reviens, quoi. Une fois qu'il est moins vénère. Il aura défoncé toute ta base. C'est con que je sache pas faire des menottes, j'aurais peut-être menotté Musa. Si j'ai les miennes, je te les apporte. Ah bah c'est nickel, voilà, on va enfin faire quelque chose. Fais un tour avec Big Mama. T'en allais où Big Mama? Big Mama! Yahoo! T'as les vachement basses, hein. Allez, on va faire un tour avec Big Mama, vous avez raison. Profitons de nos animaux. Je sais pas qui elle est, mais... Vas-y, je veux monter. Oh Big Mama, laisse-moi monter. Oh putain, ça bombarde! Ah, je l'ai échoué. J'ai échoué Big Mama. On voit Big Mama est morte. Non. Et ça bombarde, mon pote. Comment ça se fait, ouais. Ah bah, Musa est là, on pourra pas le menoter. T'as loupé un truc, Maurice. T'as loupé un truc. T'as loupé l'animal où on peut monter à 3 et qui speed. Les mecs, ils viennent farmer dans ma zone, quoi. C'est qui, Tlayer Agathe? C'est notre team, ils sont venus à 3 Argentavis là? Et Big Mama est speed un truc de ouf. Ah, par contre, j'ai un petit problème. Ah, c'est qu'elle a plus de stamina. Elle perd sa stamina vachement vite, hein, les animaux marins. Tu veux que je la laisse sous l'eau? Je vais la laisser sous l'eau, Big Mama. Voilà. Elle doit être à Oliver. C'est un poisson, ouais, donc c'est mieux sous. Attends, j'essaye de la recaser. Ah putain, je viens de m'échouer sur un banc. Tu t'échoues vite. Par contre, ça speed un truc de ouf. En fait, elle défend le pont, elle est en neutre longue portée. Putain, Gigano level 200. Putain, le truc, ça doit faire très mal. Même si c'est nerf, ça doit faire bien mal. Level 200. Ouais. Gigano level 200, ça ouest, à mon avis. Bah, déjà, le level 5, il nous a défoncé. Ouais, mais il énerve au moment de tam. Ouais, oui, une fois que tu la tames, il énerve de 30%, c'est ça? À peu près? 80. Ouais. 80? C'est pas 30? Ah, pourquoi il est numéro 5 ici? Si fou là, lui. Ouais, je sais pas, il était sur ton épaule. Il était sur. Je sais pas sur qui il était. Tu ramasses des trucs, il. Pom. On a la pierre qui arrive. Elle est pas morte, numéro 5? Enfin, c'est le grand froid, non, là. Non. C'est le tout blanc? C'est celui que t'avais emmené. C'est le tout blanc, c'est sur la
Enfin là je sais pas parce que je suis au milieu d'un laser bleu et niveau 29. Non, c'est pas le numéro 5, c'est le numéro 3 que j'avais moi je crois. C'est quoi un gigano? C'est un gros truc que quand tu le croises, il te mange. C'est un gros gigot. C'est un gigano. Un gigolo. C'est un gigolo. Comme l'agneau. C'est vrai qu'il a un peu une tête de gigolo le truc. Enfin, moi je suis comme à la D2, hein, j'attends ma pierre. Rien à secouer. Chacun son rôle. Hein. La peinture sur Musa. Mais non, j'ai pas de pinceau, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Laissez-moi tranquille. Viens, on te fait. Parce qu'on aimerait gagner un peu d'argent sur le serveur, alors on se disait que bon... Pour être prostitué. La passe contre deux œufs de dino... Ça dépend de quel œuf. Hein. Ouais, moi, bah si oui. C'est des œufs de Quetzal, je prenais. Œufs de dilo, tu sais. Mec, je fais avoir. Blueprint, mur en métal et dino portail. En blueprint. Et pour une fois qu'on fout rien avec Oro, moi je te le dis. Fait plaisir d'enfin voir Magritor et Oliver travailler. Hein ouais. Quoi? Ah bah attends, ça va, je discutais avec Koro, laisse-moi tranquille. Allô, tu m'entends? C'est bon, je me suis mute sur TS, attends, tu m'entends? Ouais, pour une fois qu'ils bossent, putain, les deux autres prend le beat, là, franchement. C'est nous qui avons tout fait, en vrai. Alors, on live, on fait tout, moi j'ai plus de vie, ma femme je l'ai pas vue depuis 3 semaines à cause de ça. Et les deux bleus beat, là, bon... Attends. Eh Musa, d'ailleurs tu fais partie des bleu bits, hein, t'as pas foutu grand chose hein. Les deux aides branle bits, c'est sympa ça. Eh mais c'est pas du tout ce que tu crois Magritor. Ah bah voilà, ça y est, ça stream hack, bravo, voilà. Ah, voilà. Voilà, ça stream hack. Les mecs... Non mais les mecs ils parlent. Non mais vous êtes sérieux quoi. Les mecs ils parlent in-game pour pas que je les entende. Mais non pas toi. Mais non, toi tu nous entends si on parle in-game, pauvre abruti. Bah, là, t'es à côté de nous, t'entends que les gens à côté de toi. Il était à 3 mètres, ils nous entendent. Ah non, voilà, et voici parler, l'arrivée de Quetzal Pharal. Quel magnifique atterrissage. Oh là là, oh là là, oh là là, il va atterrir sur Oro. Moi à ta place, j'aurais fait demi-tour, Marita. J'aurais cessé de démerder avec leur pierre. J'ai fait combien de voyages hier, moi. Bon, là, je suis un peu lent parce que j'ai plein de pierres. Magritor a le retour du live. Putain, mais quelle enflure. Mais oui, Magritor est chute. C'est pour ça qu'il est programmeur dans tous les jeux méritants. Moi j'ai des mecs qui me piquent mes pierres. Mais vas-y, dis-leur que c'est une déclaration de guerre, c'est notre cratère, non négociable. Non mais j'aurais dit qu'ils pouvaient y aller. Non mais je suis en train de tuer leurs pierres. Ah bah voilà, des graines de spécimens. De spécimens X. Mais oui, je les ai mis. Qu'est-ce qu'il va me manquer pour faire ça? Il va me manquer un, il va me manquer du bois. Et le bois. T'imagines les gros bâtards. C'est tous les pierres qui récupèrent les pierres, ils se recassent. Tu les laisses faire leur pierre. Non, je vais faire ça, je vais les endormir. Je vais endormir leurs pierres, je vais récupérer les pierres. Tu leur mets les menottes, comme ça t'es sûr qu'ils t'emmerdent jamais. Mais je les ai pas sur moi. Tu sais quoi là, ça serait vraiment être un résidu de capote, faire ce que tu veux. T'arrives, tu les mets les trois, tu les mets. Tu sais, j'attends qu'il vienne remplir et quand il va redescendre taper de la bière, j'endors son pierre, je récupère, je mets dans ma forge. On peut pas rentrer. Ferme les portes. Le speed quand même le gorille. Le gorille, ouais. Ça, pour le touch, c'est bien. Voilà. Donc on a les 4 trucs posés pour l'espèce X. Ça, c'est fait. Nos sous-sailles. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le haut. Donc sur le haut, un générateur, les tourelles. Et ouais, les 4 tourelles ici. Si on peut en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Nickel. Plus le générateur derrière. Et puis... Tourelle, c'est quoi déjà? C'est beaucoup de métal et de l'opsi ou pas? Attends, faut que je les trouve. Alors attends, je vais te dire ouais, ça. Tu les auras pas là, elles doivent être dans le fabricateur. Ouais, non, je sais. Mais il faut que je vois le craft, je l'ai pas, donc je peux pas te dire déjà. Minigun. Silencier, Ah oui, il faut les circuits, ouais, non, c'est bon, il faut les circuits électriques et polymères. Ah non, on les fera pas, ça va falloir qu'on farme. Non, il faut des perles et tout déjà. Non, mais je vais ramener les trucs là-bas. Pour faire le générateur, déjà, il me faut des perles. Il faut des perles. Donc on va aller chercher où les perles, je suis en pleine réflexion. Il y en a dans la forge. Les perles, on ira au cas en chercher. Je crois que j'en ai laissé un stack la dernière fois au truc de glace. Est-ce qu'on se met un climatiseur au cas où on avait envie? Bah oui, c'est vachement très bien fermé. Faut que ce soit une pièce fermée pour... Fermée, hein, pour mettre le climatiseur. Avec ses verres refroidir la planète. Ah oui, mais il faudrait mettre un banc aussi. Mais il est où mon piaf en vrai? Ah si, je l'ai mis là-bas. Je suis débile. Ah viens, on met un banc, c'est pas con. Ok,
comme ça il y en a, il s'assoit, il se lève au moment où bah ouais. On bouge et il se fait manger par le... C'est pas con, un banc, regarde, il fait « Oh, un giga !» Ah, c'en était un. Là, je sais, vous allez me dire « Gamin, nom oui, de Dieu !» Bonjour, je voudrais parler à la personne qui est dans le cratère. Ah oui, alors excusez-moi vous. Alors déjà, bonjour Yurga, déjà bonjour à vous. Qu'est-ce que vous foutez dans notre cratère? Est-ce que cette personne veut toujours des œufs de dinosaures? Parce que sinon... Sinon quoi, vous avez été endormi vous, c'est ça? Non, je n'ai pas endormi, pas encore. Mais s'il veut m'endormir, on lui fournira plus de dinosaures, c'est tout. Non mais pourquoi faire? Pour t'endormir ta pierre. Déjà, ouais. Combien vous nous donnez sur les pierres que vous récoltez? Il y a une taxe, c'est notre cratère. Il donne des œufs, il paye en neuf. Ils sont vrais. Donc si c'est ça, il faudrait qu'il fasse payer les œufs qu'il nous a... Non mais c'est pas un souci, c'est des œufs de quoi? C'est des œufs de quoi? D'accord, vous avez demandé. Je verrai à vous payer les œufs que je vous ai pris, les croquettes que je vous ai pris quand vous m'aurez payé ma selle de Thierès que je vous ai farmé la même chose. Les dossiers. Non mais voilà, on commence à avoir des dossiers sur serveur. Apparemment Oliver doit des œufs de croquettes, enfin des croquettes, mais eux-mêmes devaient déjà une selle qui avant était due à un diplodocus, qui lui-même était dû à un trilobite. Qui à ce moment-là a bouffé la chatte à la voisine. Et là, il est là le problème. Soyons francs entre nous. Parce que là, moi, tout ça, ça vient contente. D'un problème avec une meuf, les gars. On est sans rapport. Il y a un concombre. Non mais sérieux, notre cratère, Yurga. Yurga, il rigole plus. Mais c'est à tout le monde, il n'y a pas marqué votre nom dessus. Ah bah tu vois, quand on va y mettre des tourelles automatiques, tu vas voir s'il n'y a pas marqué notre nom. Je vais crafter un panneau, il va y avoir marqué notre nom. Alors, pour les tourelles, panneau en métal, hein. 140 métal, donc il nous faudra, en tout et pour tout messieurs, 4 fois 140 métal, 4 fois 70 électroniques, 4 fois 50 ciment et 4 fois 20 polymères. Moi je farme... Non, c'était juste pour vous dire qu'on va bien se marrer. D'accord. Faut ramener les masses de fer et de ciment. Ouais, le ciment aussi. Ouais. Quand tu vois le prix d'un fusil d'assaut, il n'y a aucun intérêt de le faire en fait. Putain. Le ciment, il en faut pour tous les polymères. C'est deux par polymère. Et alors, pour les munitions, c'est des balles de fusil améliorées, j'imagine. Qu'on met dans les tourelles. Non. C'est quoi? Attends, je sais plus. Pour celui-là. C'est des balles améliorées, hein, pour moi. Hein. Ou c'est balles de mitraillette. Donc c'est des balles de fusil améliorées ou balles améliorées. Donc les balles améliorées coûtent un métal. Alors jusque-là, on s'énerve pas. Et deux codes bonheur, non ? Trois poudres canon. Ouais, voilà. Ah, ça va, ceux-là coûtent moins cher non. que les autres. Si ouais, c'est ouais. des fusils améliorés, c'est un métal, neuf canons. Ouais, mais sur nous, les standards, c'est deux métals et 13 gunpowder. C'est de l'arnaque totale, en fait. Ouais, donc là, on va bien se marrer. Il va falloir donc qu'on farme. C'est surtout la gunpowder. C'est surtout qu'il va falloir. Donc, lingot de métal, ça devrait aller à peu près. Le ciment. Ça va être la merde. Ah, faut chasser les polymères, ouais, donc ils vont se faire. Alors de mémoire, ouais, les polymères, ils sont ouf. Les polymères, ils sont matériaux ici. Donc les polymères, vous voyez, c'est avec de l'obsidienne et du ciment. Donc il va nous falloir masse ciment et de l'électronique. Il va nous falloir des perles de silice et du lingot de métal. Donc en gros, c'est le plus important, ça va être ciment, lingot de fer. C'est vraiment ça, il va falloir farmer comme des porcs. Mais pour tout en fait, même pour les tourelles. Ouais, c'est ouais, le truc qu'on aura le plus besoin, c'est du ciment. Les munitions, il y en a besoin de combien? Les munitions, si tu veux remplir, il en faut. Ouais, donc ciment, pas, c'est bien ce que je dis, ciment, fer. Mais non, il n'y a pas de ciment dans les munitions. Non, c'est de la gunpowder. Ouais, dans tous les cas, faut farmer dans le cratère, quoi. Ouais, sauf que. La gunpowder, c'est du. Gunpowder, c'est silex. Donc c'est silex et charbon. Silex pierre. Ouais, silex pierre. Du charbon, on en a. Oh, du charbon, c'est pas le souci. Mais c'est le reste. C'est le reste qui m'ennuie. C'est quoi le nom du jeu? Le nom du jeu, c'est Arctur. Putain, avec tes pics de merde sur ta baraque, Magritor. À chaque fois qu'on passe à côté, on se prend un dégât. Pourquoi vous passez à côté? Mais bon, bah, parce que l'espace aérien fait que le décollage et l'atterrissage se font dans cette zone, Maurice. Ah bon? Bon, alors attends. Les perles, c'est pas ce qui va être le plus chiant. C'est vraiment un aller-retour à la montagne hein, qui est important. Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. Moi je suis emmerdé, je rends l'antenne dans 5 minutes, donc je vais pas faire un aller-retour à la montagne. Qu'est-ce que je pourrais avancer sur le bateau? Tu pourrais tuer hein, encore un auditeur. Tu le farmes comment? Juste avec une grenouille? Ouais, avec une grenouille, ça va, 200 ciment la demi-heure à peu près, tu fais, c'est correct. Ouais, il va nous falloir. Plusieurs demi-heures. Plusieurs demi-heures de ciment. Il faut combien? 40.
40 polymères Par machine. Oui, bah ça va, ça fait 180 pour chaque. Ah oui, puis on n'aura pas trop besoin de ciment en plus. Donc, en une demi-heure, c'est fait quoi. Oui, ça va. Le ciment, c'est pas le pire. Voilà. Récupérez Magritor là, ne le laissez pas ici, s'il vous plaît. Le level combien j'ai gagné? Si, il a fait encore. Niveau 5. Il crie dans les oreilles, quoi. J'en peux plus de ce mec. Tu l'as fait, mon non, pas de live ce soir d'Alex. Nope. Ouais, puis il va nous falloir pas mal de poudre à canon. C'est la poudre à canon qui va nous falloir. C'est la poudre à canon, le pire. Hein. La poudre à canon. Et encore, il en faut moins que pour les balles standards qu'on utilise là, quoi. La poudre à canon va nous en falloir masse. Masse. Non, on est en surface, man. La poudre à canon, donc la poudre à canon, ça va être de la poudre d'étincelle. Donc c'est la poudre d'étincelle qui se fait avec du silex et de la pierre. C'est ça qui va être la merde. Sachant que si on veut, blinder nos fusils aussi, si on veut blinder nos fusils, il va falloir. C'est ça le truc. Hein. Ça va être de blinder nos fusils. On compte une centaine de balles chacun. Oui, c'est ça, mais ça fait déjà pas mal. Encore à la vitesse où on tire. Oui, à la vitesse où on tire. Munitions, mêlée, arme à feu. Est-ce que je me refais un fusil à pompe ou pas? Pour le giga, ça sert à rien. Non, pour le giga, c'est plus pour moi, mais je vois pas l'intérêt là. Si objectif c'est giga, je vois pas l'intérêt de me faire chier à faire des balles de pompe. Non, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, ça va me demander lingots de métal, poudre à canon et des balles pour rien, donc ça va être débile. Donc, je vais objectif. Donc, il va me falloir un fusil. Attention à l'heure. Hein. Ça, on est d'accord. Ouais, j'ai vu l'heure. Fusil, on est bon. Une pioche à métal, on est bon. Une hache à métal, on est bon. De la viande, il va me falloir une gourde. Ben voilà ce que je cherchais. Une gourdasse. J'en ai plein des petites gourdes si tu veux les gourdes de base. Ah bah oui, mais oui. Sur moi, il y en a plein dans la réserve ou à l'étage, je sais plus. Nous allons donc aller piquer les choses chez vous. Elle doit être à l'étage dans mon armoire. Excusez-moi, monsieur, je passe en dessous de vous juste parce que je trouvais ça fun. Voilà, merci, au revoir. Mais le giga, on le bute. Oui, bah on a tenté, nous. Hein. Bute. Il m'a buté. Non, il a écrit. C'est pas moi. Burt. Toi, je te parle plus pour l'instant. Il va falloir que tu sois très gentil. T'as fait mal à mon ticket. Ah oui, c'est pas RP, je suis pas censé me rappeler que. Oui, je suis censé être nouveau. Bonjour. Bonjour. Faudrait qu'il fasse des munitions narco. Que tu puisses mettre dans les tourelles auto. Réserve. Regardez, il a une réserve. Hein. Les gourdes elles sont à l'étage. C'est lui qui pille toutes les maisons. Oui, bah oui, ouais, c'est chargé, c'est quoi. Oh, charge explosive, il a du C4, Maurice. Ah, t'as vu. Mais. Je vais lui lancer sans le GIA. Ça peut être très rigolo. Salaud aussi, mais rigolo. Grenade. Ah non, des grenades, ça, non. Enfin, en fait, la dernière fois que tu m'en as approché, c'était pas très rigolo, je crois. Allez, grenade, je me souviens d'une petite truc en live hier, genre Oliver qui loot une grenade dans un arbre. Ah oui. Sans Magritor, je crois. Oh, elle est dégueulasse, la lumière qui fait du bruit. Ouais, quand tu l'allumes, ouais. Après, fait quoi. Attends, t'as remis la... Alors, toujours pas de... Ça, c'est de l'essence. C'est à l'étage dans mon armoire. Dans l'armoire. Allez, l'armoire qui est derrière l'échelle. Ça me rend à 4 millions. Ouais, parce que là, je pense que c'est la tienne. Il y a plein de trucs, notamment des menottes. On sait pas ce que vous faites le soir, tous les deux, dans votre double étage. T'as la mienne, qui est à gauche. Et ouais, c'est ça. Mais j'ai vu la tienne, là, avec tes magnifiques menottes. Je sais pas ce que vous faites dans votre lit superposé, les copains, mais... Il y a mon pyjama aussi dedans. Ouais. C'est propre. Non, mais j'ai pas touché à ce qui était repassé, hein, Maurice. Soyons francs entre nous. Bon, et ça va être l'heure, mesdames et messieurs, on va se retrouver lundi. Lundi, ça sera l'objectif, le bateau sera prêt, et l'objectif, ça sera d'aller tuer ce salopard de gigato, gigano, giga, un giga. Il a un giga, et bah avec la puissance de la 4G, on va le niquer. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous retrouvez la suite des programmes d'ici quelques instants, vous retrouvez aussi Oro en live d'ici quelques instants, toutes les infos sur le 3w.lexlictv.fr, rubrique planning, ou alors sur Twitter, Facebook et compagnie, voilà. Qu'est-ce qu'il a? Il y a des gens sur Twitter, ils sont pas contents. Ah, parce que Coco Lastico, il a fait un truc qui ressemblait à Petit Bubble, et de ce fait-là, il a dit, dis donc, t'es le frère copieur, est-ce que t'es le frère de Matt Podcast? Ah non, relancez pas ça, s'il vous plaît, non, foutez-moi la paix avec ça. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Musa, merci Oro, merci Yorga, merci Magritor, et merci Oliver d'avoir été présent. On s'est bien marré. J'ai bien perdu mon carnot. Voilà. Il avait pris mass level en mode hey, on vient de tuer plein de trucs. Est décédé. Mon Spino notamment, on avait tué un Alpharex de ouf, mais tout va bien.
tout va bien pour le meilleur des mondes. Bisous à vous, bon après-midi, bon week-end, mesdames et messieurs. On se retrouve lundi, me concernant, Euro d'ici quelques instants, sur sa chaîne. La suite des programmes de la TV1, c'est aussi d'ici quelques instants. Ça arrive, hein, je vous le rappelle, avec un planning bien chargé sur la TV1, notamment du Mister MV sur Street Fighter. À 17h, Allo Ciné Live. Je pense que c'est surprise à 19h. Hein, c'est plus replay, mais surprise. Et Science Friction à 20h, aucune idée de ce que c'est. Bon week-end à vous, des bisous. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Au revoir. Au revoir. Oh, on est bien comme ça, Kappa. Dieu, Kappa. Gamma.